can make clothes Ça va bien, toi? Extrêmement bien. J'ai un carton avec des informations, mon amour, parce que l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de nous-mêmes en spectacle. Fuck les autres! Je spectacle, <laughs> mais c'est des podcasts devant public, là, pensez pas qu'on reprend. Les hein. Morissettes. Les Morissettes 2, oh, ouais. c'est nous qui. J'ai hâte, hâte de faire des jokes de tu m'énerves, puis moi aussi. Fait qu'on <laughs> couche avec d'autres personnes. <laughs> mais le show, les Morissettes 2, s'appelle pas Couple ouvert? Je sais pas. Hmm, on devrait leur soumettre l'idée. — Ouais, beaucoup plus vert pour vrai. Bon, alors, <laughs> avec nos dates devant public cet automne. Le 25 septembre, c'est un samedi, on va être au centre d'or, la petite église à Saint-Eustache. Le vendredi 1er octobre, on est à la salle Fenplace place à Longueuil, c'est déjà complet. Let's go, la gang de la rive sud. Samedi 2 octobre, on est à Montréal, dans le cadre du Festipod. Yeah! On va finir la soirée. Il y a des podcasts toute la journée enregistrés devant le public. Ça va être au pub ludique L'Adversaire. Et puis nous, on va être vers Le pub... Wow, 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 wow. Un pub ludique? Je pense que c'est un pub où tu peux jouer <laughs> à des jeux de société. On va <coughs> amener notre jeu de Stratégos. Alors, on va en oh, jouer. Va... Puis après, vous pourrez jouer avec nous à non, On va amener notre jeu érotique. Ah oui! Ah oh, ouais! On va jouer à Aphrodisia. Let's go! Parfait. Puis le samedi 30 octobre, on est au théâtre Petit Champlain à Québec. Je suis au Québec. Je vous aime, Québec. T'étais là hier. J'étais là hier. Puis tu as passé une soirée exceptionnelle. J'étais dans le bar. Là, c'est un bar qui appartenait à Eric Lapointe. Super. Il n'y a plus de bar. Il y a des trous Mais l'ambiance <laughs> est là. L'ambiance, le lambe d'Eric est là. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a, il y a un, petit, un petit fantôme qui circule. Oui, Il y a un petit fantôme avec un petit morceau de cuir qui fait. <rire> OK. <rire> Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par la vibe, Eric, qui là? Il y a eu une bataille. OK! <laughs> ça à va. cause de quoi? Pendant que toi, tu jouais? Non, 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 non. Moi, le monde ne se bat pas. OK. Il y a eu des gens qui ont crié, c'est pas drôle. Puis non. les bandes. Pendant, ouais. pendant ton. Non, 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 non pas, moi, pas. Moi, ça allait bien. Moi, ils il pensaient, mais ils criait criaient pas. Pendant cette qui, qu ils ont fait ça. Je, ben là, c'est. On va pas Dis le. commencer à Dis-le! <laughs> Dis-le! de la 5. Ah Non, 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 c'est euh, oui. je le dirais pas. Et euh Ça a voilà. pas que c'est pas bon là. Oui, ça veut dire ça. Mais ben si, imagine c'est tellement pas non, bon faut si que tu te, personnes... te battes. Non. Imagine. Il y a une personne qui se bat. C'était pas une, il y a des hommes 7. Ils ont été 7 à, 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 à trouver que c'était pas bon. et dire si on se bat, ça va être un autre genre de spectacle. Je veux y aller moi. Waouh wow. là. Euh, hey. aussi à ce spectacle le 2 décembre, il va y avoir Marjo. À se battre. Ouais. Waouh Ouais. Alors... Incroyable. Incroyable. J'aime qu'on a de la promo, mais c'est tout sur. <laughs> ton show d'hier. <laughs> le show d'hier, puis le show de Marjot de 2 décembre. Au <laughs> vrai, on comprend, gang, si vous venez pas à nos shows, vous allez voir Marjot. Ce serait génial, plein de fans de Coupe Ouvert à Marjot. <laughs> c'est vraiment spécial. Oh, ben, mais super. en somme, c'est une des plus belles salles de spectacle euh, dans laquelle j'ai été. C'était quoi la salle Tu peux-tu le nommer Ça ah, s'appelle Le, le, le Clair de lune 2.0, parce que ça a été rénové et euh, Éric Lapointe n'a plus de part dans le bar. Ils ont juste rajouté 2.0 quand ils ont changé de propriétaire. Ouais. C'est bon. <rire> 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 Moi, mais je trouve que c'est une super belle salle de spectacle. J'ai euh, adoré jouer là et j'ai hâte de retourner à Québec, entre autres avec toi, mon amour. 30 octobre, deux représentations. Deux. Une après l'autre. Une après l'autre. Une après l'autre. Yeah. Puis vu que, vu que tu conduis, je peux pas à boire. Ben que en que fait, on a une chambre d'hôtel à Québec ce soir-là. On... Oh, on fait l'amour. On fait l'amour à Québec. C'était bon euh... la dernière fois qu'on a fait l'amour à Québec. Ouais. Moi, j'aimais ça, en tout cas. ouais, ouais, ouais.

une tu job. pourrais dire « Faire l'amour avec toi est une expérience sensorielle extraordinaire, mais ça tu dis pas. » Ça, ouais, ça a l'air sarcastique. C'est ça! Ça y a l'air sarcastique. Il n'y a plus rien qui peut bien sonner. Parlons de « fini. Parlons d'un autre homme que tu okay. désires. Il y a un super bon biopic. C'est un biopic? C'est pas bon comme documentaire. Non, c'est un J'ai haï ça, moi. T'as pas aimé ça? pas aimé ça. OK, c'est « Valkymer » qui raconte sa vie, mais c'est son fils qui fait la narration parce que « Valkymer », il a plus de voix. Oui mais le. Il y, truc, like. il, y a, il y a un truc ici dans la gorge, c quasi, comme ça. C'est qui, Val Kemmer? C'est un grand acteur. Il a joué Batman, acteur. notamment. Il a joué et... Batman. Dans Batman Forever. Il, il, il était-ce dans... handicapé? Non, ça, c'est euh, Christopher Reeve. Tu te prénonces, ça, c'est Superman, Superman. Le gars, il est tombé d'un cheval. Oui, c'est deux personnes très différentes. C'est <laughs> un <Le> cheval! <laughs> T'as une autre question. <laughs> oui, ouais, mais c'est Ms. Ouais, Barry, c'est ça. Il est tombé d'un cheval. Il joue au polo, puis ah oui, il est tombé. Je, Ça, je, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était tombé d'un cheval, puis qui était. Mais tu savais pas quel super-héros? Je savais juste qu'il était dans un film. comme là Val est un... Qui est le highlight selon moi du documentaire de Val Kilmer, c'est qu'il a été avec sa femme euh, pendant huit ans, mais une de ses femmes en tout cas, je sais pas. Mais ça, ça shame, là. Mais... <laughs> une de ses femmes. Know how it is ouais. <laughs> pendant huit ans, mais là-dessus, il a tourné le film The Doors parce qu'il a joué Jim Morrison également dans le film de The Doors, et pendant un an à la maison, il oh, se là. prenait pour Jim Morrison constat. Il faut savoir, est Jim Morrison. Ça, c'est un huitième de la relation avec sa femme. Pour ceux qui ne savent pas, Jim Morrison, c'est un toxicomane excentrique. Qui porte, mettons... porte un pantalon de cuir constamment, qui ne lave jamais. D'ailleurs, mon prof de physique au secondaire portait le cuir et ne le lavait jamais. fait que Quand tu avais une question, c'était vraiment gossant parce qu'il venait à côté de toi et il sentait des odeurs qu'on n'avait encore jamais sentiment. Le... Mais ce qui est génial, c'est que tu vois dans le documentaire où la fille, elle essaie d'être une actrice, elle essaie d'apprendre ses lignes, puis genre il, 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 il rentre dans la pièce, puis il crie ⁇ Je suis le roi des ordres !⁇ Et ça, ça me fait mourir de rire. Imagine-tu Moi, je pense que je vais faire ça. Forcément, être non. le roi des ordres pendant Ben, oui. non. <rire> <rire> Toujours me garocher à terre. On oh. ben, dirait que s'il y avait une personne qui pourrait faire ça, c'est toi, là. C'est une vraie <rire> affaire. <rire> Mais bon, euh, je me suis beaucoup inspiré de Jim Morrison. C'est-à-dire que je grossis, <laughs> puis je veux développer un problème d'héroïne à la fin de ma vie. Et euh, fait que voilà Fait que salutations À l'épouse de Val Kilmer Qui est selon moi La MVP Du film Et de cette vie Par contre C'était une super interprétation Val Kilmer est extraordinaire Dans The Doors Oui Excellent film Excellent T'as-tu écouté The Doors? Ouais Wow Ouais Mais tu as un an de pratique En même temps Ben Christ C'est mieux d'être bon C'est ouais. bon. mieux d'être bon Tu mieux d'être là est-ce qu'on a qu accueilli qu notre invité mon non? notre invité. c'est Rosalie Vaillancourt. Comment tu fais, Rosalie? T'as amené une collation? Ouais, j'ai peur d'avoir faim, fait que je mange euh, des carottes. Génial. C'est parfait. Ça vous dérange-tu? Rien ne me dérange. Tant que tu pas, genre Jim Morrison pendant tout l'épisode. Ah, ça serait bon, hein? <laughs> Il faudrait que je parle en anglais. I'm the king of the art. Ouais. <laughs> Et euh, Jim Morrison <laughs> est arrêté pour montrer son. Ah oui, Jim Morrison est arrêté pour montrer son pénis okay. sur scène. OK. Fait il faut que Il était vous... arrêté? Ouais. Pendant ah, un spectacle. Je pensais que si les gens payaient. Non, c'est pas un, un go-go-boy. Tu donnes pas ton consentement, même si c'est un billet de spectacle. Voilà. Pour Il est arrêté que... pour ça. C'est qui qui avait été Usher Qui avait été arrêté Ah ouais Elle avait 16 ans. C'est Est-ce qu'ils ont arrêté Maxime Martin quand ils ont montré <laughs> il montré sa gosse Oui, mais juste parce que le numéro était pas bon. C'était euh, <laughs> la police du bon goût. La police de. C'est ça, ça dire fait... Ah, j'ai montré ma couille. Non, non. <laughs> C'est tout ce que On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Moi, j'aimerais tellement sortir ma... une de mes lèvres. Ah oh, ouais, je te le souhaite. Je pense que... Euh... Ouais, je suis là à 100 Il faudrait vous... que je, le... je prévienne les gens. Attention, j'ai montré ma lèvre. Oui, ce, ce spectacle contient des éléments érotiques. 18 ans je ne sais pas si c'est érotique une lèvre. Ben... <laughs> non. Non? Ben moi, j'ai le la misère avec l'érotisme anyway, là. Oh, jamais, sur... oh wow, non, que... non, 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 je ne oh, voulais pas oh. commencer. <laughs> oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de l'érotisme? Non, non, mais j'adore l'érotisme, c'est juste que pour que ça soit érotique, faut il faut qu'il y ait beaucoup trop d'affaires. Tu sais, je, je vais montrer ma boule là même, je ne vais pas trouver ça érotique. Là. Tu vas trouver ça anecdotique. Je vais trouver ça drôle, Ouais, c'est okay. ça. Ça va être pour, euh, pour écrire un numéro plus tard. OK. Je ne okay, okay, comprends pas. Fait que tu vas, mettons, créer cette situation-là dans le vie et ça, tu vas pouvoir écrire comme un numéro. Que ouais genre, mais je vais pas faire ça pour de vrai parce que là, ça ne se fait pas. Ouais. Je comprends. Je comprends. C'est ce qui rend excitant. C'est ce qui est particulier du sexe. C'est que c'est plein de choses qu'il faut pas faire. En public, maintenant? Non, non, pas juste. D'envie, point. D'envie, point. Un baiser, si tu ça froidement, c'est pas une bonne idée. C'est changer des germes. Ah. Le sexe, tout ce qui est sexuel, c'est des choses que tu ne devrais pas faire. C'est contre nature. C'est que c'est aussi. Oui, c'est full pour nature, là. ça donne des bébés. Je comprends ça. Moi, je le sais parce que. You <laughs> know what I mean? Tu <laughs> comprends ce que je veux dire? Tout ce qui est sexuel, c'est contre nature. C'est que t'es pas censé euh, faire es ça. T'es pas censé. Ben t'es en... en fait. Ben, non, mais c'est super. parce que en effet, en fait, on est fait pour que, mettons, recevoir nous les spermatozoïdes, mm -hmm. et créer des enfants, mettons. Mais là, mettons, si ah, ma c'est bec... pas. c'est C'est une bonne question, c'est parce que la reproduction c'est pas toujours du sexe parce que, t'sais, mettons, quand les vaches se reproduisent, mm -hmm. c'est juste. Ben c'est quelqu'un avec un très long gant. C'est ça, quelqu'un avec un très long gant. <laughs> ouais. ou, c'est un taureau qui monte. Il n'y a ouais. personne qui a du plaisir, à part le taureau quelques secondes. Mais le sexe, il mm -hmm. y a quelque chose de contre-nature. C'est pour ça que, aussi, que la, la part des choses qui sont excitantes de l'extérieur, c'est un peu ridicule. OK. OK. Mais c'est pour ça qu'il faut être sous souvent. Ah! Oh. <laughs> <laughs> on fait rarement l'amour sous. C'est ben, ben, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oui, Mais euh, si. ben, tu la première fois que vous l'avez faite, là, mm -hmm. est-ce que vous étiez sous? Non, on était à jeun. Super agent. Super ouais. agent. Genre Weird fin d'après-midi agent. jeun. Ouais. Oui. Weirdo! Oui, oui. Ouais. Genre le soleil est pas midi. couché. Ouais, ouais, Oh my god, je sais comment non, ça avait non, fait. Non, fait. Non, fait. Non, parce qu'au mois de février, on était. Ben, je veux dire, OK, mais il fait, il fait sombre, là. Il fait sombre, je Mais. Ouais, ouais non, on, on, a, on a vraiment, on a fait, ouais. je pense, ouais, en total... Vous avez tellement confiance en vous, j'ai jamais vu ça. Ouais, ouais, nous, on pas parler la lumière du jour. Ah, t'aimes pas ça faire l'amour <laughs> euh, pas sous? Ben non, non, mais là, avec quelqu'un que t'aimes, quelqu'un que tu connais, tout ça, je pense que, pas saoul, mais il faut que, faut que je, je sois dé, déjeunée, là. Puis il faut que, genre, j'en aille dedans, tu sais. <laughs> puis l'alcool, puis les lumières tamisées permettent ça. Ben, tu sais, rendu, ouais. Mais je pense que je ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'amour avec quelqu'un que je connaissais pas que je. Ouais, je, je, je pense que peut-être que maintenant j'aurai assez confiance en moi pour faire comme je bois pas puis je te, je te regarde, mais je pense, je pense que non. Je pense que je que comprends ça. Je, je comprends. Mm. J'ai déjà un, un gars qui m'a dit, il a noté que je le regardais jamais dans les yeux. C'était un weirdo. Ouais, mais en même temps, tu, tu regardes-tu ton chum des yeux quand vous faites l'amour? Ben, boum, instantanément. Hein? Ben, 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 moi, ben, j'aimerais ben, pas ça. Moi, j'aime ça, ça, ça m'excite beaucoup. Des, ouais, des, des fois, oui. Fois, moi, je te force, ouais, 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 force, ça m'excite. Ouais, je te ça, mais force. oui, j'adore ça. Moi, je la force. Mais non, mais c'est pas que tu me forces, tu me dis regarde-moi. Oui, puis là, je le prends la tête, puis ça m'excite. Oui, mais là, ça, c'est. Me faire croire, je te force. Fait que tout le monde moi, me faire croire, je te force. Toi, tu te sens pas vraiment forcé. Fait que les dos on gagne. Les dos on est bien là-dedans. C'est ça, tout le monde a ce qu'il veut. Élie, ouais. oui. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais... Euh, très, très jeune, là, je, même avec un chum, je me démaquillais jamais. Wow! Parce que je voulais pas qu'il me voit pas maquillée. Ah! Hein? Ouais. c'est parti quand, ça? Pff, couple d'années plus tard. OK. Mais ouais. Mais à bah, quel point t'es dit... différente maquillée puis pas maquillée? Pas tant. Mm -hmm. Mais je ouais, pense que hein. c'est une question de confiance aussi. Non, ça, je, je le sais. <laughs> je l'avais compris, mais c'est quand même... Tu sais, c'est parce qu'il faut vraiment que tu sois différente, me semble, pour qu'on la remarque. je je ne fais pas de contouring ou de choses comme ça. Ah, oh, t'as vu comment ah, tu, tu l'as dit? De contouring! <rire> <rire> comme si c'était... C'est de, de lune elle va être contente. Si c'est con... une chienne qui nous écoute, enfin, yes! Beau. Je ne change pas la structure de mon visage. Eh non, mais il y a des gens, là, je te jure. Ouais. Moi, je regarde ça des fois. Moi, moi je suis obsédée par les changements faciaux tout ça, là, puis par le maquillage, tout ça. Puis je ne serais pas capable d'en faire, mais je trouve ça malade. Il y a des filles là, en, en Asie là, qui se font des oui. plus, plus grosses narines, wow. puis qui arrivent à faire un, comme un nez plus étroit, ou qui se mettent euh, comme des, euh, des morceaux de plastique qu'ils font exprès pour euh, remodeler le visage. Oui chose fascinant le puis ça prend du talent ça prend du talent mais aussi comme moi je sais pas là mais c'est en vidéo puis on voit qu'il y a des traces noires là c'est comme si genre fait que dans la vraie vie ça doit vraiment Mais c'est sûr là, c'est sûr que ça paraît, t'sais. Mais as tu as vu aussi dans les euh... Moi j'ai vu ça là, dans la section Instagram mais genre quand tu vas voir les, les reels puis les ça c'est vidéos c'est speed scroll ça fait ça fait peur. oui c'est ça. Bien mais il y a aussi il y a mané tu sais des des ficelles de leur nez. Ah oh, ça c'est c'est un ça, euh, ça c'est quand tu te fais changer le nez, quand tu, ah. tu euh, c'est une restructuration euh, nasale. Le fait là, ils mettent des ils, ils mettent ils pètent de quoi je pense puis Hey, honnêtement je sais pas si j'ai n'importe quoi hein. oh mais house. mais tu sais ça saigne un peu là ouais ouais ouais, ouais ben, c'est euh, une opération là, une opération oh. puis c'est il paraît que c'est les opérations les plus faciles à faire euh, que c'est pas compliqué euh... <laughs> <laughs> c'est ça as-tu d'autres questions <rire> non. <rire> non non mais c'est vraiment euh, tu sais comme pour avoir parlé à des filles qui l'avaient faite là il était comme c'est L'opération qui est, Tu sais, c'est quand même une opération. Moi, dans ma tête, c'est genre... C'est fou, tu te changes mm -hmm. le nez Ouais, là. mais aussi, je veux dire, ça a évolué. Là, la médecine, c'est tu sais, nous, dans le temps, c'était genre... Toc, 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 toc. tu sais quand on voyait des vidéos de ça, il y a genre 15 ans. Ouais, mais maintenant, mais ça c'est super délicat. Mais je connais personne qui a eu une opération. <coughs> je que ah, que tu, tu mets... sais, souvent, c'est le début. Ah, ah, voilà, non, moi, j'en connais Une opération, même, en ensuite, je suis... deux, ensuite. Ils ont quel âge? Ils ont 25 ans. Voilà. Voilà. ouais ouais peut-être que, tu, tu, que. Mais en même temps, je me suis dit, s'il y a quelqu'un que vraiment ça les obsède, qu'il y a une affaire chez eux qui les obsède depuis oui. qu'ils sont jeunes, ben tu sais, à quoi tu bon faire? De... Oui, pourquoi les... pourquoi les fouiller dans qu'est-ce qu'il y a qu que derrière mm -hmm. ça? Non, Fais juste le ah! chanter ah! l'extérieur en disant que l'intérieur va suivre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, avec l'âge, par exemple, tu finis par abandonner puis être trop paresseux pour te dire je veux le changer. Là. Tu sais, mettons, il y a plus mm -hmm. de choses à 20 ans que j'aurais changé chez moi que maintenant. Même si, genre, oui, j'ai mais... dégraissé, mettons, il y a plein de <laughs> choses que je suis comme, ah! Oui, mais j'ai plus si confiance en toi, t'as fait plus d'accomplissements. Je sais pas si c'est ça ou juste, genre, je suis devenue plus paresseuse. Mais, pas, mais la paresse, ça n'a rien à voir parce que c'est pas toi qui fais l'opération. Non, je sais, mais, mais hey, moi, là, je allée voir pour si je pouvais me faire refaire les fesses, OK? OK. Parce que j'me... quand j'avais laissé mon ex, j'étais comme, ah, oh, il faut que je sois mince, il faut que je sois mince. Puis j'étais tellement obsédée. Puis j'étais pas je voulais pas être mince je voulais juste euh, maigrir rapidement sans faire d'effort tiens tu sais. mm -hmm. puis euh, <laughs> puis juste de, de une seule place c'est mes fesses ok, okay. puis euh, là je allée voir pour voir si je pouvais me le faire puis en même temps je me suis dit ça va me créer un numéro tiens tu sais. <laughs> puis je <j't 'allée>, OK, puis... <laughs> Le gars, il était comme Ah, oh, oh, dans le fond c'est vraiment facile. On te fait des petites incisions, le gros sort, puis dans le fond euh, c'est environ deux semaines de rémission où ce que tu peux travailler de la maison. Tu veux juste pas courir pendant deux semaines, mais tu sais il y a pas beaucoup de rémission. Je suis comme ah oh, c'est simple. Il dit oublie pas par exemple tu sais quand tu reviens, c'est quelqu'un d'autre qui peut conduire, mais amène-toi euh, tu sais des sacs de plastique, des, euh, des, 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 serviettes. des serviettes parce que ça continue, ton gros continue à sortir par les incisions. Puis j'étais comme je le fais pas. <laughs> Oh, non, 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 Pendant non. combien de temps? Moi, je me voyais juste dans un taxi avec un gars qui me regardait puis moi, mes incisions de même, là, puis tout sortait. Excusez, c'est mon grotte-cul. Qui... <laughs> qui c'est tout le fromage feta que je mange constamment, <laughs> puis la somme, puis t'sais... Combien tu te un genre, un taxi qui a vu ton grotte-fesse sortir? Non, au au moins dit, 100%. Quoi, il est chanceux, là. Ah, c'est à lui C'est à lui de me payer. payer, là. Quelle chance là Mais c'est quand même fascinant que le moment où tu vas avoir une opération, c'est en pleine amour. Ouais, mais c'est souvent wow. ça. Je pense que ben moi j'ai l'impression que c'est souvent quand tu vas moins bien. Là. Mm -hmm. Oui, quand t'es épanouie dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui t'aime pour ce que tu tu remets en, tu remets moins moi en question. Non, ouais, physique. puis ouais. euh, tu sais comme aussi moi les fois que j'ai été euh, euh, pas célibataire, mais métier célibataire malheureuse mettons là. Ouais c'est là c'était là que j'étais comme ah je fais vraiment attention je fais telle affaire j'essaie de changer là ouais ouais ah oh, oui moi bon. j'ai jamais autant couru que quand j'étais célibataire ah c'est fou là, moi le, avec le par genre, je l'ai vu. Là. Oh ouais, hein? oh. Ah ouais, Moi aussi, j'avais ma montre, j'avais tout. Les montres de céréales là, qui disent il n'y a pas. J'avais ça parce que j'avais pas pour l'argent avant. D'ailleurs, c'est une des raisons que je n'ai pas fait l'opération aussi. Oh, oui, je tout, je Quand même 12 000. Là. Puis il m'a dit, oh. il me disait, ah, ouais, on ferait le vente en même temps. Puis moi, j'avais n'avais rien. Wow. j'avais rien sur le ventre. Puis j'étais comme, ah oh, ben là, c'est des fous. Ouais. je comprends ça. Puis là, ça m'a choqué J'étais comme, oh, ben, comme ouais. ça, c'est la limite. Moi, je t'ai pas demandé de me faire le ventre, je t'ai demandé de faire mes deux fesses. Je comprends ça. Fait que, tu mmh. sais, j'étais comme... Non, vous, vous exagérez déjà, puis j'étais comme... Ah, mais dans moi. lui, il fait son service. Un vendeur. Hein. Moi aussi, moi, je suis. Euh, ouais, mais un chat, c'est différent que le corps. Là, ouais, mais. Au début de l'été, je me faire enlever des graines de beauté parce que moi, je suis une fille à graines de beauté puis des graines de beauté. Et c'est ça... dangereux? Euh, ben, c'est qu'il faut que tu fasses attention, il faut que tu surveilles parce que des fois, ils peuvent changer de forme et de couleur. Puis là, ça, ça peut être une Quand prémisse à, au cancer. Mm -hmm. Fait que mieux les faire enlever. Fait que bref, je suis allée faire enlever des, <laughs> des graines de beauté, mais c'est une clinique de chirurgie plastique. Puis pendant que t'attends, tu as toute l'espèce de slideshow ah, de fun, les hein. seins, le botox. Je trouvais ça fascinant. Ah, c'est fascinant, c'est là. C'est vraiment. C'est ça, le, le, là. Il me fait oh, il me dit oh, Ça sera vraiment pas long, on peut le faire ce matin. Puis tout, le gars il était vraiment le médecin, le gars, le médecin était vraiment gentil. <laughs> Puis à la fin, c'est ça il dit En tout cas, si on va faire quoi que ce soit d'autre pour toi, ah, tu si sais où quoi, nous ouais. trouver. J'ai <laughs> en même temps, ça fait comme une demi-heure que je regarde le slideshow de. Ah, mais moi, ça, moi, des fois, ça me calme, tu sais, de voir ça. Parce que je me dis Si un jour dans ma vie, je m'aïe vraiment tu peux changer. Je peux changer. Ben ouais. C'est tellement de la marde de penser de même pis pas juste de faire... Je pourrais me trouver un meilleur psychologue, mais, <laughs> mais non. Il y avait une affaire là, que j'ai vue que c'était comme body mama, Ah oh, oui, mais puis là, ils refont comme tout ce qui... ce qui gosse, c'est comme quand tu as eu un enfant puis moi, j'arrêtais pas d'envoyer ça à mon chum. J'étais comme, pire je prends ça. pire je prends ça après le troisième, quatrième. Prends ça. <laughs> euh, moi, cool à savoir ça au travail. L'été passé... <laughs> On avait acheté des revues, des magazines féminins. Je me souviens pourquoi oh. il y avait un article de quelqu'un. Qu oh non, qu non, la, la, la vérité ouais. c'est que j'aime En ce magazine. Mm. Ah, en tout cas, bon, bref. Puis dans un des magazines il y avait ça, il y avait une, une publicité pleine page puis c'était écrit mommy makeover genre oui, redrapage. Oui, c'est ça. Makeover mommy. Puis ça m'avait tellement insultée là, j'étais comme. Euh, mais juste moi. aussi le fait de, tu sais comme mm -hmm. l'adresse vraiment que c'est tout à fait assumé que genre après que t'ailles accoucher, voici les quatre choses que tu vas ouais. Tu as changé puis c'est pas beau. Hey, Ouais, ouais mais tu sais, moi, je me dis vraiment, tu sais, pour vrai, il y en a qui, ça, vraiment, ça leur détruit le corps, puis ils sont vraiment ouais. pas bien avec ça. Tu sais, moi, c'était une de mes grandes peurs, que ça détruit... Finalement, là, je m'en fous tellement, là. Au contraire, là, je suis genre vraiment contente, là. Mais... Au début, j'étais comme, il faut que j'achète de la crème, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse attention. Je J'essayais de faire quatre entraînements par semaine. Puis après, genre, deux secondes, j'ai fait comme, fuck off. Première fois de ma vie que je peux manger du gluten. <laughs> tu manges pas de gluten, absolument? Ben non, mais c'était pas une, une question de, de, de mince ou grosse. C'est juste à cause que je voulais pas euh, être ballonnée. J'ai vraiment des problèmes d'intestin, de, de, mon envie. J'ai oh. le. Euh, intestin irritable. Là. Ok, c'est colon irritable, mais je suis gênée de dire colon. Oh, wow. <laughs> je l'ai testé irritable, fait que j'avais pas le choix de faire full attention. Puis tu sais, de pas pouvoir manger de porc, de part. Pour... Puis là, là enfin, là, j'ai fait comme Ah oh, fuck off. Ils sont tellement chanceuses, les filles, qui mangent qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent. <laughs> <laughs> Match job stuff. Yeah. <laughs> mais. Euh, moi, une... moi j'ai une hypothèse. Parce que pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai déjà eu ça, de vouloir changer pendant une rupture. Quand on est célibataire, triste. Ouais. C'est mon hypothèse. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Peut-être que je suis seule là-dedans, peut-être qu'on est trois c'est que tu te dis, dans le corps actuel, Il tous les bien. gens que j'attire me font mal. Oh. Peut-être que si je change de corps, je vais arrêter d'attirer les gens qui me font du mal. Wow. C'est pour ça moi, je suis que je voulais prendre la masse, perdre, mon, euh, perdre du ventre, être plus gros, être plus petit, en me disant, avec ce corps-là, j'attire du monde et me font de la peine. Wow. Ah, mais ben, ça, c'est vraiment profond. Moi, c'était vraiment juste pour me sentir sexe. <rire> 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 moi, c'était vraiment dans le sens, genre, en ce moment... Puis c'était même pas pour le gars, là, c'était même pas genre je veux lui montrer ce qui manque parce que oh oui. la plupart du temps c'est moi qui le là. Moi c'était plus genre là là je prends du temps pour moi, je fais des affaires qui me tentent puis je veux avoir enfin ce que ça me tente. Puis c'est pas un corps, moi j'ai jamais voulu un corps mince, mais je voulais un corps euh, athlétique parce que j'adorais kill bill genre. Mm -hmm. Mais obsédée par kill bill puis j'étais comme moi là, si je peux jouer dans kill bill là ou juste comme être capable de péter un comme quelque chose avec mon bras je serais fière de moi. C'est jamais arrivé. Mm. T'es pas, commence... pas une grande non, suédoise. Chic, ça, co ça continue à être super mou. <laughs> pis, genre, comme, c'est chiant parce que j'aimerais tellement ça être musclée, là. Je. Oui, euh, mais Et ça, ça prend beaucoup d'efforts. C'est ça? ouais Mais ouais. c'est ça, moi, c'est comme. C'est ça. Je, je, je suis paresseuse. Non, pas t'entraîner, okay, Non, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ben, ça me rend vraiment pas heureuse de m'entraîner, Je comprends. Est-ce que okay. tu fais, pendant que t'es enceinte, les exercices vaginaux de. <laughs> non. Non, non. Moi non plus, je j'en ai, ai fait au début, tu sais. Oui. J'en ai fait au début, ouais, t'sais, tu te couches sur le dos, puis tu aspires, puis non, ouais. moi, je m'en étais fait conseiller il y a longtemps parce que j'ai un problème aux hanches. Mon dieu, j'ai l'air d'être vraiment vieille. Là. <laughs> mais parce que, parce ouais, que moi, terrible. je chante mes fesses un peu tout le temps. Là. Ok. Parce que le... je trouve que ça fait petit personnage. <laughs> <Ça t 'a... rire> <laughs> oui, mais au point que, genre, un de mes genoux est ressorti, là, genre... <laughs> C'est fou le chien que tu tu tiré de même. Parce ça, que ça fait vraiment mal. Ah, je, 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 oui, mais c'est tout de ta faute. Mais non, c'est pas de ma faute. C'est la faute mais... du personnage. <laughs> oui, mais c'est comme toi qui as décidé de bouger. Bon, en plus, j'adore ton art. J'ai jamais remarqué ça. C'est peut-être l'affaire la moins marquante. Non, mais, non, non, que mais tu vois, c'est parce que c'est amené avec subtilité. Ah, subtilité. ah mais oui, oui il aurait été plus subtil. subtil que... Que... Non, je pense que c'est parce que ça fait tout le personnage. Tout? OK, c'est bon. Mon erreur, mon erreur, mon erreur. mon erreur. Non, mais je pense que c'est pas fait exprès, tu sais. Je ben, me suis pas dit je vais me créer un personnage que les fesses sorties. Non! Non, mais. Mais, mais as déjà dit aussi que t'étais aussi très attachée à ta grand-mère, qui avait des grosses fesses. Et... Ouais, ben ouais. Fait a... que c'est voulu. Non, mais c'est pas voulu, dans le sens que je les avais à 8 ans. À 8 ans, mes sœurs étaient comme What the fuck? Qu'est-ce qui s'est poussé? Qu'est-ce qui a poussé derrière Ouh. toi? <laughs> c'est fou, mes fesses étaient bombées, là, à 8 ans, là. Puis j'étais comme C'est grave! <rire> <rire> fait que là, mais là, tes hanches sont-tu correctes? Mais non, mais non, non, okay, non. je suis complètement dé ça, ça serait, déplacée. Ma ah, ah, chérie des hanches, c'est pas comme une épaule. Ben non, mais non, mais je sais pas si t'es. Non, mais c'est ça. Tu sais, je fais de la, la masseau, je fais, fais tout. Tu sais, comme des choses. que... Tu sais, la, la masseau était comme tu feras tes exercices. J'ai dit, gars, moi, je te paye pour me faire du bien. Là c'est vraiment ce que je vais faire. Là. Ouais. Je ne ferai pas d'exercice honte, là, ça me fait trop chier. Fait j'aime mieux y aller une fois par semaine quasiment. Là. Let's go. Mais ben, c'est correct, comme ça, t'sais, ouais. un moment donné aussi, on se connaît puis on, on prend les, 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 ouais. les solutions. Je t'avoue, c'est ça moi aussi, le, le truc de, de faire les, les exercices vaginaux. Là, au début, tu es plein de bonnes intentions, puis tu le fais deux fois par jour, puis un moment donné, es grand... Ah! Mmh. OK, non, moi c'était... As j'étais assis au bureau, puis oh, j'étais ouais. comme, OK, ça y est, dans la prochaine minute, ça se passe. Puis <laughs> là, le téléphone sonne, t'es comme non. Ah, mais, ça veut dire que des fois tu t'as pas répondu à un appel parce Attends, que, tu tu ta que tu irait à chaque. Attends, mais il fallait tout le temps prendre quelque chose. Non, rentres? non, c'est juste. Ah, t'es au bureau non C'est euh... un air ouvert là. Ah, vois. mais ça. <laughs> moi, je le fais constamment. Dès que j'ai un petit allée, je me sers, je me dessers. Fait <laughs> que <laughs> <laughs> c'est ça, voilà, je, je comprends ça. C'est quand même génial qu'on veut tout le temps changer notre corps, mais peu importe notre corps, il y a du monde qui sont excités par ça. Ça me fascine, Ouais, mais c'est en même temps, tu le fais-tu pour les gens ou comment tu sais comme moi moi ça m'a vraiment tu sais comme quand j'ai commencé à avoir des hanches quand j'ai commencé à avoir des seins ça m'a vraiment mis mal genre vraiment vraiment, vraiment mis mal puis tout le monde était comme Mais les gars ils aiment ça puis j'étais comme c'est exactement ce que, que j'aime pas, pas. Ouais. genre je veux pas le regard sur moi ça me gêne je suis même pas à l'aise et puis tu sais comme oh mon dieu ça me gênait tellement que tu sais, je me disais, au moins là, j'suis, quand, quand suis tombé enceinte, j'étais comme, hé hey, là, je vais être all-in, j'ai tout à montrer. là Tu sais, comme c'est la première fois que je mets des choses serrées, mm -hmm. tu sais, j'en mettais un peu, mais c'est tout le temps lousse en bas, là, là, je m'en fous. Là. Mais ça m'a tellement traumatisée, genre, le, le changement corporel, puis là, que l'attention change des hommes, ça m'a vraiment mis mal. Puis, tu sais, c'est pas de la faute des. Ben, Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'était vite, c'était rapide. C'est comme, j'avais 13 ans, c'est comme entre mon secondaire 1 et 2. Puis, genre, tu vergeture, cellulette qui arrive avec ça, tout, tout est arrivé en même temps. Puis, ça m'a mmh. vraiment fait comme. C'est pas mon corps, là, c'est pas moi, là. Tu c'est pas le corps que je m'étais. Je, je, c'est comme c'est pas ce que je m'étais imaginé. Je comprends. Mmh. Ouais, mais aussi, je pense que. Moi non plus, je m'étais pas imaginé ça. <laughs> <laughs> m'étais pas imaginé ouais, mais ça. cest arrivé? Ça, est arrivé, genre, en deux mois, tu sais? Ah ben, moi, j'ai. Euh, tout mon, mon âge adulte, j'étais pas mal sous Fait que maintenant, je me suis réveillée, puis j'étais de même. Ah, euh, je comprends. C'était pas Jim Morrison. Tu sais ce que j'ai imité de Jim Morrison, c'est le bout où il était souple et lourd. <laughs> c'est moi le roi lézard. Non, Thomas, ma... t'es pas le roi de rien, man. Mais oui, uh, euh, mais tu. Ok, okay fait que t'avais 13 ans, ton corps a changé, t'as senti que le regard que. Tu la différence? Ben, tu sais, les autres filles, euh, je me suis fait... Les autres filles étaient tellement encourageantes, mais, tu sais, comme trop, là, tu sais, genre... <laughs> « eh hey, mon Dieu, sois fière de, fière de tes femmes, sois fière. Oh, my God, t'es tellement fierce. Oh, mon Dieu, t'es tellement tic. » Puis moi, j'étais comme... « Je veux juste rien du tout <laughs> Arrêtez de m'en parler. » Genre, tu sais, comme... Yeah, je me faisais vraiment beaucoup parler de mes fesses puis tout ça, là, puis j'étais comme... J'étais tellement gênée, là. Tu sais, pour moi, genre, des fesses, c'est l'endroit où je faisais caca, là, puis que j'avais oui. des problèmes d'intestin. <laughs> ouais, <laughs> tellement, je comprends tu sais, je voulais pas, j'étais pas prête à tu sais, comme quand tu t'es même pas prête à une relation sexuelle mm -hmm. ça te tente pas de te d'être un, un objet de, sexuel ouais. chaud, ben oui, ben c'est oui. tout à fait légitime tellement, ouais. puis c'est tellement vrai aussi que la cellulite puis les vergetures ouais. apparaissent même souvent à un très jeune âge, là. moi aussi, moi je suis pleine ouais, moi, de vergetures sur les hanches hey, 9 ans, puis... j'avais 9 ans, la première ouais. fois j'ai eu la cellulite puis qu'il y a d'autres ouais. filles qui ont fait comme « ah, t'as les mêmes fesses que ma mère » J'étais oh comme, oh mon God. Dieu, est-ce que c'est grave? Oh. <laughs> est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui disaient ça? C'est les femmes. Waouh! Je ne montrais pas mes fesses au gueule. Comprends <laughs> je comprends ça. Je comprends ça. Ouais. 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 Mais c'est vrai, la transformation pour un, un corps de femme, c'est vraiment quand même Mais traumat... je... moi, moi je trouve ça traumatisant. plus traumatisant que de tomber enceinte puis que de voir mon corps changer. Puis, de, tu sais, comme tout le monde dit, hey, c'est fou, tu n'as pas l'impression que c'est ton corps t'appartient. Non, non, non. Moi, je suis comme, c'est mille fois moins pire que moi à 13 ans qui arrête l'adrénaline puis qui commence à manger puis que le tout pousse puis que c'est tu sais comme ouais. ça pourrait jamais être aussi pire hein, parce que ouais. là je suis prête mentalement puis c'est quelque chose que je voulais ouais. bah ben oui bah ben oui ouais, c'est ouais. vrai oui la puberté c'est malgré toi ça je connais plus les hommes qui sont vers moi là dessus c'est que souvent les hommes ils vivent l'inverse c'est qu'ils ont hâte à la puberté ouais mais c'est parce que nous c'est avant vous autres aussi bah mmh, oui ouais, là vous nous ce... voyez toutes changer oui. puis ouais. ah, chose... moi c'était Cinquième année, c'est la ouais. première fois que j'ai mes règles. Là. Wow, c'est tôt! Même, c'est début de cinquième. C'est gênant, il y a personne encore qui les a, il y en a quelques-unes. Ouais. C'est tôt, c'est très tôt. Là. Comment ouais, c'est ouais. arrivé? Euh, J'étais à l'école, puis je, je je vais aux toilettes, puis ça saigne, puis j'aime mettre énormément de papier de toilette. Ouais. Est-ce que tu savais ce qui se passait? Il euh, y avait une fille dans ma classe que sa mère était comme plus euh, moderne puis elle y avait expliqué puis nous l'avait tout expliqué en rond puis moi j'étais juste genre what the fuck <laughs> <laughs> j'étais comme je pense ça va pas m'arriver puis genre deux semaines plus tard ça arrivait ça c'est le bout oh. le plus fou de l'enfance tout ce que tu sais c'est quelqu'un de ton âge qui sait rien ouais. qui te l'expliquait. Ouais, mais elle était vraiment bonne. Tu sais, cette fille-là, je pense qu'elle est, est professeure maintenant ou en politique, là, parce qu'elle était vraiment bonne. Là. Virginie, elle nous l'expliquait, puis elle avait comme tous les bons termes. On nous mettait en confiance. On la salue. Tout. Ouais, allô, <laughs> allô, allô <salut>. Vivi. <laughs> nous, les, les gars, c'était pas ça. Il n'y a, a pas de Virginie. Nous, c'était mettons un Philippe qui disait. Ouais, tu te masturbes pas trois fois par jour, là. ça se peut que t'as le cancer des testicules. <laughs> puis ça, OK, ben Philippe doit avoir raison parce qu'il est plus fort que moi. <laughs> puis il est vraiment bon soccer. <laughs> fait que là, si est un soccer, il a raison sur tout. Fait que là, tu te masturbais trois fois mmh. en disant Je veux pas le cancer. Ou tu, sais, quand tu quand tu commences à être menstruée, il y a toujours un moment quelqu'un qui finit par te dire « Fais attention, là, tu peux tomber enceinte maintenant, pis t'as genre 10 ans. » Mais là, t'es comme, <laughs> je parle à peine au gars, là. Tu sais, je ouais, pense que je vais tomber enceinte. Mais merci, <laughs> c'est <laughs> <Monsieur. rire> C'est vrai, hein, Moi, j'en ai beaucoup parlé, là, dans, justement, mon numéro sur le fait que j'avais de la misère à tomber enceinte. Là. Comment qu'on prévient à 12 ans nos enfants qu'on va tomber enceinte? Puis que finalement, moi, ça a pris un an et demi. C'était mm. full long. Là, puis j'étais comme crime. Toutes les choses qu'on m'a dit de pas faire, j'ai fait. <laughs> c'est chiant. Oui, oui. Ouais. Après ça, ouais, ça, dépend vraiment là, des gens. Puis là, c'est ça. Donc là, t'es enceinte, t'es avec. Ton depuis combien de temps? Deux ans et demi. Vous vous êtes rencontrés comment? Dans un bar. OK. Ben ouais. Donc, le ben soir, en le place. soleil était couché, tout va bien. Ouais. Check. On peut être sous un peu. Deuxième euh, check, était très check, tout sous, va bien. Euh, <laughs> on n'est pas partis ensemble ni rien. J'ai juste pris son numéro de téléphone. OK. Fait que tu as rencontré ton chum en 1997. C'est vraiment ça. Un... Mais <laughs> moi, j'aime ça, les affaires comme anciennes. Il m'a payé. <laughs> Mais tu sais, j'ai demandé c'était quoi sa job. Okay, ouais, okay. Mais il était vraiment saoul. Puis ça a pris quatre fois avant qu'il me donne le bon numéro de téléphone. Pis... Bah, wow. Moi, je suis un peu freak, là. Okay. Genre dans le sens que je voulais faire rire à mes amis. Tu sais, moi, j'ai demandé son numéro de téléphone juste pour. C'est un peu un stunt. C'est un stunt pour faire rire à mes amis. Tu sais, pour que mes amis fassent comme, oh, game? Juste, ils ont un drôle de sens de l'humour, tes amis. Ben. Je pense pas une Lara un Non, non, mais parce téléphone. que. Oui, parce que j'étais comme un peu déguisée. Je m'étais déguisée en rapper, là. <rire> <Okay>. <rire> Mais cétait une soirée déguisée ou toi, t'avais choisi. <laughs> Moi, puis mon ami, on était allé au Distrand. Puis on s'était trouvé des capas, des là. Tu sais, les, ouais. les manteaux capas oui. oui. avec les filles tenues oui. sur le côté, là. Oui. Mm -hmm. Mais j'avais ça, mais avec genre des. Ch... Tu sais, comme. Mon Distrand, les gens, ils savent pas qu'il ait déguisé. Ils font juste, ah, oh, c'est une fille du Distrand. <laughs> non, c'était comme. Quand... J'avais comme des chaînes. Okay. Non, j'étais quand même un peu. Euh... J'avais l'air déguisée. OK. OK. Puis j'avais un avais show à que encore? Mais tu ben oui, j'étais de même là, avec mon capot. Puis j'étais comme... Hum, voyez Vous voyez mes filles tout nues. Je <laughs> elle écartée, était écartée, c'était de même. Sinon, c'est deux filles. <laughs> j'étais laide, là. Tu sais, j'étais là pour faire mon show. Si Je voulais okay. faire rire mes amis. Puis là, lui, il était en veston cravate. OK. <laughs> Moi, j'ai fait comme ce gars-là. Ça va être vraiment crampant, là. Mais il y avait parlé, il était déjà une de mes amis. Puis, euh, était comme oh, mon dieu, il faut que je vous faut que je vous mette ensemble, vous foutez trop. Puis moi j'étais comme je fête avec un gars avec un veston et une cravate. Je oui. <laughs> <J> crois pas. <laughs> mais j'étais comme ouais, va prendre ton numéro. Ça a pris quatre fois avant qu'il me donne le bon parce qu'il était trop sou. Puis moi j't... devant mes amis, j'étais comme c'est pas le bon. Tu me donnes le bon maintenant Puis je l'appelais devant lui. Ah euh... J'étais comme ça marche pas. C'est pas le bon. Ça a pris quatre fois. qu'il qui voulait pas. <laughs> mais c'est pas qu'il voulait pas. Mais imagine, <laughs> un jeu qu imagine qu que ça. <laughs> Non, non, attends, donné, attends! Moi, moi dans la vie j'en ai fait des, de la drogue, j'en ouais. ai bu de l'alcool. C'est 10 chiffres. Non, non, mais attends! <laughs> attendez, c'est ce que j'ai pensé. Ouais. Mais. Tu sais, quand tu le sais que la personne a veut là, mais qu'elle dit non. <laughs> <laughs> c'est ça qui est excitant. <laughs> non, non, non. Non, non, mais il, il voulait. Tu sais, il voulait. Il était comme. Parce qu'en en fait, c'est son cellulaire de. Il y a trois cellulaires. Il y a cellulaire, okay, son ouais, cellulaire de job, son vrai job. c'est ça qui... lui Pour son... sa maîtresse. <rire> <rire> sa maîtresse, euh, <laughs> sa drogue, puis euh, <laughs> sa job. Fait non, mais c'est ça, là. Avait pas... Il ne se souvenait plus de son cellulaire. Il ne se souvenait plus, OK. Puis il venait de le changer. Puis je, genre, il m'a tout expliqué ça euh, après. Okay. Mais sur le moment, je trouvais juste ça drôle de ouais. comme... Alors, t'as son numéro, votre première date. Parce que c'est pas une date ça. Ça a pris un mois parce que j'arrêtais pas d'annuler puis aussi. OK. Ça ne tentait pas tant que ça de se voir puis j'avais pas le goût d'avoir un chum. Moi, j'étais comme "Ah, oh, je veux juste avoir une date dans ma vie parce que j'ai jamais eu de date, moi." Ouais. Okay. Jamais eu de date. J'ai okay. tout le temps sorti avec des amis. Mm -hmm. J'ai sorti avec des gens que je connaissais, tu sais, puis que comme il y avait pas de date là, si c'était Ouais, on se connaît déjà, fait que si ouais. ça devient amoureux. Ah, ouais. oh, c'était bizarre là. J'écoute. Ah oh, c'était drôle. Vous êtes allé où? On est allé à Sainte-Thérèse euh, au restaurant. Ok. <laughs> j'avais un show après puis okay. j'étais comme hm, ça va me faire un lift, euh, ouais. ça va. Wow. <rire> wow. <rire> ça... Mais tu sais que... en plus j'avais vraiment l'air d'une marde d'amener un gars à un de mes shows là. ça fait un peu genre tu sais comment je suis bonne. Ben, euh, je représente tous les humoristes. on l'a tout fait. Non mais c'est pas mmh. c'est pas Gaules que fait. je voulais c'est pas que je voulais puis je me disais il va être étonné moi je me suis jamais dit qu'il allait être Étonné de moi. Là. Je me suis dit, c'est la seule soirée que j'ai de libre, je fais un 15 minutes. Ah, okay. C'est rien, là. Ouais. Puis il s'est mis au milieu de la salle, il ne pouvait pas sortir, puis moi, je l'attendais en avant, puis il était comme, mais non, mais là, il y a Martineau, là, en avant, là. Hein. <laughs> dit Martineau. T'es-tu rentré fort ça, ce, ce soir-là? Je me souviens plus. Est-ce que, est que tu voulais l'impressionner? Je vais montrer, je suis forte, let's go. Euh. Hmm moi j'ai pas vraiment cette attitude là c'était plus genre une attitude de genre j'ai montré comment je m'en fous okay. Okay. comment je m'en fous que je peux stresser d'être sur la scène mm. les, comme... gens, les gens comme ça c'est toujours les gens anxieux <rire> <rire> mais les non, gens. En fait, moi je lui ai montré que je m'en fous es de mes affaires. non mais je lui montrer que ça me faisait tu sais je voulais montrer que c'était pas stressant pour moi que j'étais habituée à de faire des spectacles je comprends. puis ça ça a bien été non mais il me semble que je t'ai rentrée quand même fort let's go il me semble que je t'ai rentrée fort parce que pas... ça l'a séduit non, pas nécessairement. Okay. Je pense que, ben tu sais, oui, oui, sûrement qu'il s'est dit, ah, oh, elle est meilleure que je pensais, mais lui, c'est quand il a vu mon show en enfant là, qu'il a, a, a été séduit. Il était comme, okay. c'est vraiment bon, je pensais pas que c'était bon de même. Je pensais pas que tu faisais ça, en fait. T'as séduit un homme avec un spectacle d'humour, ça, c'est beau. ouais mmh. c'est OK, très mais j'arrête pas de t'interrompre. Que, fait que là. là vous êtes pfff... allé où? C'est ça, on est allé à un, un restaurant qui servait genre des tapas. Okay. C'était, honnêtement, c'est la. C'est comme il y avait des gens qui faisaient du. Tu sais, là, ils mélangent là, avec. Du flair! Yeah! Du flair! C'était. C'est comme ça ne ressemble ni à lui ni à moi. Genre, c'est comme la pire place pour nous représenter. <laughs> j'étais crampée. Puis j'étais comme, OK, là, il faut que je, faut que je fasse le pire de moi-même pour que. Pour que. Tu sais, pas le pire de moi-même, mais le plus le plus extravagant pour qu'ils s'attendent à ça, tu pour mm -hmm. pas qu'ils fassent comme je à full normal, puis après trois dates, je devienne fucké. Fait que là, j'étais comme, hey, je, vais, je vais faire comme exactement comme je suis d'habitude. Fait que là, j'ai pris mon jean, mon, mon, mon affaire de Bloody Scissors, puis là, moi, je le liche tout le temps, puis là, je le lichais tout. Puis, okay. puis j'étais comme, j'adore le sel, j'adore le sel, je peux te licher le tien ?» Puis tu sais, comme. C'est le même <laughs> pour, ta vraie ouais, nature. Ouais, okay. ouais, c'est ma vraie nature, puis je fais tout le temps ça. Pas de comme... l'anxiété. Non. Okay. non, 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 non. C'est juste parce que j'aime vraiment trop le sel. Puis... <rire> <rire> <laughs> puis il trouvait ça vraiment crampant. Puis il y a un couple qui, tu il y a des gens qui venaient nous voir. Puis ça le gêne. c'est fou, là, comme comment c'est hot d'être avec quelqu'un que ça le gêne pas, qu'il y a des gens qui viennent te saluer. Ou, puis ça le rendait pas jaloux non plus. Moi, je suis pas jaloux quand le monde salue Steph. Mais les gens ne <laughs> saluent pas toi, Non, mais, est, être dans le milieu, tu sais, c'est sûr que quand t'es dans le milieu, puis que t'as le chemin dans le milieu, c'est sûr que c'est plate, tu il de, de, y en a un qui se fait reconnaître. Puis l'autre, c'est comme, ouais, oh ouais, on sait pas t'es qui, on s'en fout de toi, là. Oh ben moi des fois il y a des gens qui te reconnaissent juste toi mais ça me... mais ça me dérange pas ouais mais ouais, on chicane ouais, ouais. tout le temps après <laughs> moi c'est Stéphanie je suis très drôle coupe l'ouvrage toutes mes épaules <laughs> Non, mais je comprends. Je comprends tu... Puis, tu sais, je comprends les gens qui font ça. Puis, je comprends aussi parce que, tu sais, peut-être que moi, ça, ça m'est arrivé, peut-être que j'aurais été. Tu sais, je veux pas être la blonde de l'humoriste hein, mm -hmm. ou la blonde de telle personne. Oh mais ouais. lui, ça le dérange pas. Puis, il y avait un couple qui était venu nous dire euh, On aime ce que tu fais, notre fils euh, s'appelle Olivier. Puis, j'étais comme Hé, hey, moi, c'est ma première date avec un gars qui s'appelle Olivier. Puis, elle a dit euh, Ils sont fins. Puis, je dit « Ouais, mais ils ont des petits pénètes, hein. <laughs> puis, <rire> il a trouvé ça super drôle, tu sais. C'est cool. Ouais. Puis, c'est vraiment pas drôle comme joke là, quand tu y penses. <laughs> ouais. Ça dépend. Ça m'amuse, moi. Du contexte et de l'intention. Mais ça fait et de tellement de fois que je le compte, là, ma première rencontre avec mon chum, parce que tout le monde est comme surpris, ça se passe pas les ces réseaux sociaux. C'est fou, moi, j'ai parlé avec une psychologue l'autre jour, puis je disais, je comprends pas comment ça que les gens utilisent juste les réseaux sociaux pour se rencontrer. Puis comme, tu comprends pas, là. C'est 98 des couples qui se rencontrent sur les réseaux sociaux maintenant. Ça ne se fait plus. Comme, rencontrer ton chum dans un bar a été une chance exceptionnelle pour toi. Vous je pense arrivé. que Mais Nous, on s'est rendu. Ça parce... fait combien de temps? On s'est croisés aux Oliviers. C'est ça. Oui, mais problème. ça fait combien de temps? Comme, ça en fait 4 ans, des fois. Oui, mais pense. on me dit, genre, dans les deux dernières années. Ah, oui, okay. mais okay. Ouais, mais dernières années, années, avec la pandémie. Oui. avec la pandémie, je comprends. Mais même trois ans, là, tu sais, ils disaient. ça. <laughs> vais de ça... <laughs> deux ça... <laughs> de à 3. Ans, là, t'sais, t'sais, <laughs> non, non, mais gars, <laughs> mais les habitudes c'est pas. Je que vous aviez une vraie psychologue, là, mais elle m'avait dit. Elle m'avait vraiment dit que, pour de vrai, que je devais pas comme. Parce que moi, je forçais un peu mes amis en disant, non, sors, sors tu vas rencontrer quelqu'un. Mais ça, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est DM. C'est DM, c'est euh, Grinders, Bubbles... Euh, <laughs> c'est comment il dit? Countering? <laughs> Countering, Bubbles, euh, Grinders. <laughs> mais euh, je trouve que c'est vraiment triste pour les gens qui... Pourquoi ça, ça marche? Ben non, mais c'est qu'il y a des gens qui aiment mieux le contact humain. que. Mais le, ben, moi, c'est fou. J'ai vraiment une mauvaise... Euh, ant, ant, entre la, les gens dans la vraie vie et les gens sur euh, Facebook, j'ai vraiment de la misère avec les gens sur Facebook. J'ai peu d'empathie quand ils sont méchants, genre. Ou, tu comme, juste, je trouve que les gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux sont méchants comparés à dans la vie. Dans vie, les Québécois sont tous gentils et n'ont pas leur raciste Puis là, tu vas sur Facebook et t'es comme. Tu sais, gens Ouais, mais toi, tu gères. Il y, y, y a beaucoup de gestion de commentaires à faire sur ta page, je pense. Il y J'ai. c'est moi des les gens que, que, que je bloque automatiquement. OK, parfait. Je je avant, je les laissais. Puis j'étais comme. Ouais, T'as le droit à ton opinion. Oui, j'ai une voix de salope. T'as le <laughs> droit à ton opinion. Mais là, avec le temps, j'ai fait. Oh non, là, mais t'es fou, là. T'es juste un malade, là. <laughs> ah oui. C'est peut une opinion. Ah non. C'est pas ton opinion. J'ai une. Voix de ah salope. oui. C'est mais... ton hypothèse. De... C'est ça, là. Je pense que oui, j'ai quand même la gestion, tu sais. Je veux dire. Eh... Je sais pas si c'est parce que je suis une fille, là, mais les humoristes en général. Là, euh... Non, pour avoir ce que j'observe, les gens ça, sont beaucoup plus à l'aise d'insulter les filles que, que les hommes. C'est vrai pour les hommes et les filles, ils sont beaucoup plus à l'aise d'insulter les femmes. Je, 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 c'est ce que j'observe, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que, c est, c est indéniable. Mais il y a aussi le fait que je mets beaucoup ma vie de l'avant. Les gens, ils savent pas mal tout. Que... Tu tout ça? Non, parce que je montre vraiment les choses que ça me tente. Okay. Je montre les choses qui me font rire. Je, genre, je pas parlé des décès qu'il y a dans ma famille ou des affaires de même. Je, sais, je, je garde pour moi, à moins que genre ça soit au point que je peux plus travailler. Là. Mm -hmm. Mais t'sais, je, non. Ça, je ne trouve pas ça difficile. Ce que je trouve tough c'est que si, mettons, il nous arrivait genre. On se laisse, puis tout le monde est comme quoi Vous, ça va aller tellement bien. T'sais, tu nous as menti. Ouais. Tu sais, j'aimerais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Fait que si, mettons, vous voyez pas de photos de mon chum pendant six mois, ben, sachez oui. que ça se prépare. <laughs> mais tu souvent des photos de lui, ça abole. Ouais. Mais oui. ben, pas souvent. Mais là, euh, là je, je peux plus le faire. vous Quoi? avez eu une Pourquoi? Parce que, non, lui, il était d'accord avec ça, mais c'est que ça marque, puis son père il aimait pas ça. Wow! Wow, ok, 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 ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est que qu que produit? Comment t'as appris ça? Ben. Oh, oh. Je pense qu'ils m'ont juste texté. Euh... Où ils m'ont appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas trouvé ça drôle, qu'ils trouvaient que ce n'était pas une bonne idée. Tes beaux-parents t'ont appelé. Pour... Là, moi, je suis proche de mes beaux-parents. J'étais proche euh, de, ses, de ses parents. Fait que, fait que C'est sûr que <laughs> s'ils se permettaient de me le dire. C'était quoi leur argument? Ben, C'est peut-être pas bon pour sa job, des choses comme ça. Mais j'étais comme, on ne voit pas son pénis. <laughs> son petit pénis! <laughs> mais tu sais, lui, il lui, m'avait lui, dit. Bon, il m'avait pas dit oui, je les avais mis, puis après ça, il m'a dit, ah, oh, c'est correct, là. <laughs> là J'en ai Attends, envie tu... que... Attends, wow, 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 on va aller à l'arrière. Tu y as pas. T'as mis ça sur Internet sans lui dire. Mais non, mais c'était la deuxième année que je le faisais. Je me suis dit, la première année, il a dit oui, Ah peut pas Ah, OK. Ah okay, okay, ouais. le... oh, oui, je me suis parce que c'était comme l'anniversaire de la fête. Okay, oui, oui, je... Ah, OK. Parce okay. qu'en en fait, c'est qu'à chaque année, je prends des photos de lui sur le bol, puis je les, je les mets à sa fête, tu sais. Je comprends. Puis j'étais commencé c'est notre thing. OK, <laughs> le, le, à tout le monde aussi parce que c'est public. Ouais, mais moi je trouvais ça drôle parce que c'est comme on dirait que c'est trop cute. Il y a tout, <laughs> tout le temps ce si parlant content là, il sourit là, il oui, oui. est heureux là, il est comme normal là. Fait que ça me faisait rire puis il est tellement comme on dirait sais, dans ma tête il, si mon chum est tellement masculin là <laughs> que c'est trop parfait que ça, ça détruise un peu le mythe. Le mythe de, du bonhomme là. Qui appelé la mère ou le père mm. Je sais pas s'ils m'ont appelé ou juste texté qu'ils avait pas aimé ça. Ou ils ont dit à mon chum qu'ils avait pas aimé ça. Je me souviens plus, mais je me souviens qu'ils ont pas aimé ça. Okay, <laughs> je me suis sentie mal, puis j'en ai enlevé quelques-unes sur Facebook, celles qui étaient comme plus euh, dégueu. <laughs> mais pas l'entièreté. Mais ben non, Marjo, euh, crème, j'avais déjà 10 000 likes, je voulais pas l'enlever. <laughs> a... Parce que, tu sais, c'est entre oh. lui et moi. Veux, veux pas. Mm -hmm. Lui, il était d'accord avec ça, puis ça le mettait pas mal, puis son boss. Ouais qui est quand même c'est le ministre là. il travaille pour le cabinet oh, sacrifice parce qu'il y a un politicien qui a perdu son il, il voulait se présenter oh. aux élections puis il s'est retiré parce qu'il y avait des photos de lui oui. que c sur un bol ah ouais sur un ouais. bol je, je pense pas que, que c'est sur un bol oh, sur oui. un bol oui, oui, oui. non c'est parce qu que... que mais non je te jure sur un bol oui oui c'est arrivé il y a un homme qui s'est présenté aux élections ils sont allés voir son Facebook il y avait des photos de lui sur la bol puis euh, il ah oui ah. mais là attends si c'était là c'est ouais. comme pas la même chose c'est pas comme si mon chum les... avait décidé de mettre des photos de lui sur sa bol puis que c'était comme quelque chose qui l'excitait comme un ça selfie sa c'est pas un selfie il était comme si euh, un party puis il était content ah oh. oh, ben là tu vois moi c'est pas ça tu sais c'est pas un... c'est pas une affaire de party là c'est une affaire de il était à la maison puis c'est sa blonde qui le Je... pogné genre mais <rire> bref <rire> tout ça pour dire que même le ministre avait écrit genre ah oh, Olivier pauvre toi le... même le ministre avait trouvé ça drôle tu sais j'avais... Il travaille comme... pour le... OK, c'est quel, quel ministère? C'est... Euh, c'est... Euh, c'est le patrimoine. Oh. C'est Steven Guilbeault. Ah! Oh, il travaille pour Steven Gilbo. Ouais. Moi, je l'adore, Steven Gilbo. Je ben, l'adore. Il a quand même monté à tour du CN. Ouais. Ouais, Puis mais là, fait... je... Moi, je Steven Gilbo, c'est le politicien qui me fait le plus rire au monde parce que c'est un homme qui a consacré 20 ans de sa vie à combattre les changements climatiques puis c'est important puis let's go puis là il fait dans la culture tellement c'est pas si important que ça, ça. finalement non, non, mais c'est pas lui qui choisit ouais, pas ben, lui qui choisit oui mais il y a de quoi de hilarant de nous ben, dire c'est 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 ironique mais, pas mais non pas ironique. mais il a pas dit c'est pas important l'environnement parce qu'il continue à faire plein de choses pour l'environnement à côté Comme. mais ben il, il a continue à visiter des locaux pour l'environnement il continue à faire plein de choses puis à mettre même l'environnement dans la culture mais ils ont donné le patrimoine c'est quelque chose pour deux, trois ans. Là. Après ça, je pense qu'il voulait lui donner l'environnement, mais là, on ne sait jamais. Là. On sait ben pas. Non, ça va en élection. Bon. Ça va non, en oui. élection. Il, ça, ça, sûr, ça, mais... ça va bien. Si on regarde le sondage, <laughs> il sais J'espère qu'il n'est pas attaché à ses limousines. Parce que ça, il se devrait être plus. sur TikTok comme Jack Meek. <laughs> 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 Avez-vous vu ben, ça? Il est ah, oui, sur Instagram, est Steven. Il est vraiment bon. Moi, je l'adore. Steven, pour vrai, Puis je pense que. J'en ai vu là, des ministres de, du patrimoine, puis c'est celui qui a fait le plus de choses, puis qui s'est battu. Il a juste transféré toutes ses, ses valeurs, puis toutes ses, les choses qu'il s'est battues pendant des années en environnement, il l'a transféré en culture. Fait il s'est battu pour de vrai, là, pour plein d'affaires. Il y a plein de choses qui, qui ont même continué. Fait que, moi, je l'aime. Ben, il a commenté sur la photo en faisant. C'est incroyable. Yeah. <laughs> ouais, non, il est vraiment. Puis, tu sais, comme. Parce même... que ça, c'est de la culture. Ben <laughs> Ben oui, il, il m'a même nommé au. au il m'a nommé à mon donné pendant euh, tu sais, leurs affaires de ministre, là. OK. Tu sais, là, qui s'est tourné, là, devant le public. Puis, il a mm -hmm. nommé moi, Dib, puis Catlevac. Elle dit « nos humoristes sont importants, comme da da, da. Puis, Puis c'est euh, ben, une bonne affaire, parce que plus tard, les humoristes disent que c'est un bon ministre. Tu vois? Ouais, c'est une ouais. bonne affaire à faire ça. La... Mais c'est pas pour ah, ça. c'est pas, si pas pour ça que non, je l'ai pas... fait. Ben non, c'est pour ça. La raison ben pourquoi je l'ai fait, c'est parce que ah. mon chum travaille pour lui. Ben oui. <laughs> Mais pas vrai, je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Oh. Je pas. Ah, J'avais un jeu à vous proposer aujourd'hui. Oh, oh, parlant de, de, de culture. On a une passion. <laughs> parlant de culture et parlant d'homme de pouvoir. Ouais. J'avais envie de qu'on de Guilla Lepage parce qu'on on a un jeu ici qu'on avait joué avec Mathieu Pepper au podcast, qui était le ouais. Twitter de Guilla Lepage. Mais là, j'aimerais qu'on joue au Instagram de Guilla Lepage. Que tous les réseaux sociaux de Guilla Lepage sont exceptionnels. Et moi, j'en envoie des fois à Stéphane Oui, on a eu des échanges en DM. Moi, justement, disons que vous devez amorcer des relations en DM. Dans la vie, moi et Rosalie, c'est de ça mm -hmm. qu'on se parle, pour se séduire. Mm -hmm. On parle de Guilla Lepage. Mm -hmm cruise une ouais. bonne <laughs> affaire. Et, euh, et là, bon, alors, l'Instagram de Guy Lepage, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce qui se passe sur l'Instagram de Guy Lepage, c'est que Guilla s'enregistre en train de chanter sous, sous la douche. Et je crois qu'il appelle ça les shower sessions. Je crois même qu'il y a un hashtag, si je me trompe. On ne le voit pas, il faut le mentionner. Et on ne le voit pas. En fait, c'est ça c'est qu'on l'entend chanter, mais il filme l'eau qui cool. s'écoule sur un objet qui change à chaque fois. Mais The qui a rapport way. avec la chanson. Ouais. Voilà. J'aimerais rappeler que cet homme est peut-être un génie de l'écriture humoristique. Cet oui. homme-là a créé... Non, non, mais il est pas. Puis est moi, j'adore ça. Non, moi, je trouve je... que c'est un génie. Mais... Puis aujourd'hui, il fait ça. Mais... <laughs> Non, moi, je trouve c'est bien correct. Ça amuse les gens. Ça, moi, ça m'a fait du bien. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment crampée. Puis surtout, la première, le premier que j'ai vu, j'ai fait comme, pourquoi il m'imite? <laughs> Genre, pourquoi cet homme-là m'imite? Puis j'étais j'ai écrit, on dirait ma voix, puis c'était vraiment comme si c'était moi qui chantais. Mon chum me l'a envoyé. Il était comme, c'est bizarre, là, qu'il s'imite. <laughs> 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 OK, le hashtag, c'est The Shower Session. Oh, The. exactement. Oui, parce que je vous montre. RBO, il faisait The quelque chose. The, <laughs> ça, the, ça. ça. C'est on brand. Ouais. Parfait. Alors le jeu, c'est très simple. Je vous dis quelle chanson Guillaume chantait et vous devez essayer d'identifier quel objet. J'adore ce jeu. Est-ce que Nico peut participer puisqu'on qu'on l'aime? bien entendu. Nico, en plus c'est un musicien. Ben oui. Nico va savoir. Nico commence. Est-ce avec... que ça vaut la peine que je mette un extrait audio? On... Je ne sais pas ah, si ah, YouTube ah, veut. Peut-être qu'on peut, ah, qu peut ah. se faire un YouTube. Non, mais ben non. Les maisons disent disques ne veulent pas. Tu penses Pourquoi Ben non, ils vont reconnaître la foule? Non non, c'est pas c'est la la ils utilisent pas la musique. C'est pas la vraie. Non non, c'est accapé là, c'est sûr que ça. Oui, mais c'est quand même le publishing ça appartient à ça. Hein Je me suis raté. On pas fiché Non, Tom est rendu, genre obsédé par l'industrie de la musique. Attends non, moi ça me stresse. Ah parce qu'il veut faire de l'argent quand même. Non pas du tout. C'est juste une obsession Je pense le l'industrie de la musique américaine me fascine mais je pense pas que c'est une bonne des OK. mais mais en un. Ok juste un juste juste un. Mais je, je veux que les gens entendent une fois là. Ça je comprends, mais oh, c'est. Mais aussi, au pire tu le couperas là. Ah, ouais Mais alors la chanson c'est The Winner Takes It All de ABBA. Oh. À mon avis j'ai okay. euh, une hypothèse. Okay. Quel objet on voit à l'écran en ce moment? Nombre de quoi qui est relié Ikea parce que ABBA c'est suédois. Ok ok. Des Playmobil, okay. quatre Playmobil, quatre Playmobil. Wow. Pour, pour que ça soit comme à Ah, ouais. oh, ça okay. c'est brillant. Nico. Un chapelet. <laughs> ok. La réponse c'est une statuette de lui-même qui joue au poker. <laughs> ah! Pour vrai, oh, est, c est c est, mais ça, c'est vraiment drôle. C'est comme si tu trouves pas ça drôle pour vrai. T'es mauvaise foi. Ben, moi, -fois. une des raisons pourquoi j'écris dans vie, c'est grâce à Galopage, mais j'écris grâce à RBO <laughs> et à Un Gunfish. Pas de Shower <laughs> Voilà, pas de Shower Sessions. Yeah, le... yeah. c'est une question de goût. C'est okay. une question de goût. Suivant. La chanson, c'est Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine de James Brown. Get wow. up, Get... Get, up. Ouais. Get Up. Get up. Get up. C'est qu -ce sûr que, que c'est, ça. Ok. Euh, euh, Quel item on voit à l'écran en ce moment? Let's go, Nico. Euh... Moi, je dirais, ça serait. Ça serait un. Un masturbateur. Ok. <laughs> euh, un masturbateur. Ça veut dire quoi? Okay, c'est hein? toujours, toujours Nico qui va closer parce que tu peux <laughs> jamais battre ce qu'il dit. Nico, tu, <laughs> vas, tu, vas, tu, vas, tu vas dire les choses en dernier, ok? <laughs> parce que c'est toi qui te rends du Rosalie. Ben, une. Une statuette de lui, mais tout nu. <laughs> Avec un <laughs> mastodonte. Ah ouais, ça <laughs> c'est bon. Ça c'est oh. bon. As... Un, Lego. un Lego. La réponse c'est des caleçons. Ah oh, merde, <laughs> c'était mon autre idée. Ah, puis en noir ça C'est complètement fou. On dirait qu'ils sont pleins de sang. <laughs> c'est complètement fou. Ils sont de couleur ocre, voilà. Wow. <laughs> OK. OK. Un autre, vous êtes prêts pour un autre? Oui. Ouais. La chanson c'est. Pump up the jam, the techno-tronic. Det betyr kanskje tittelen på Up the Jam. det det? <laughs> Par contouring? Nei, country. <laughs> Tec Technotronic. Pommes. Technotronic. Pommes. Mais ça a été Pommes repris par... Lost Fingers. Ah, oui, ah, cool. Vous souvenez vous souvenez-vous <laughs> quand <laughs> <dans rire> Lost Fingers... <rire> <rire> moi, j'écoutais tellement ça, là, comme une grosse loser. <rire> 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 oh mon Dieu, ils l'ont avec leurs petits doigts. <laughs> moi, je les trouve bons. <laughs> non, mais ils sont vraiment bons. Mais tu sais que années... moi, pendant vraiment ouais. longtemps, j'ai pensé que Pomme de Gem... C'était « Lost Finger ». J'étais comme « S'ils ont vraiment écrit des bonnes tunes, Lost Finger. » Oui, parce qu'on rappelle que tes parents voulaient pas que tu écoutes de la musique du, du Commonwealth. Wealth. ouais c'est ah. ça. Ils n'avais pas, pas le droit d'écouter de la de musique est des États-Unis. Je... Okay. Okay. Ça, ça a donné que Lost Finger, dans ma tête, c'est les plus grands compositeurs de l'époque. J'étais « hit ». des, hits. des hits de tous les styles. Le <laughs> Covers, ils sont bons. Ah, par Je peux pas croire. Puis c'est plein de styles différents, mais ils l'ont tout le temps. Pump the jam. Pump up the jam. Un altar. Ok. Ah oui. Attends, c'est quoi? Ça veut dire pumpin' to the jam? Pump up the jam. J'aime que t'as fait comme ça pas de bon sens parce que les deux premiers trucs qu'il a mis c'était, c'était beaucoup de bon sens. Ouais. Ouais, mais un altar, c'est vraiment bon là. Oui, mais c'est jamais ça. Ah, ben là, il faut que j'ai les autres choses là-bas. Tu peux dire un altère aussi, tu peux dire ce que tu veux. Mm. sais, une serviette là, que tu mets ici là pour pas suer. Un ouais! d'exercice. Ouais. Ouais. Okay. Nico, tu va de quoi tu fucked up. <laughs> un masturbateur? <laughs> un saxophone. <laughs> un saxophone. La réponse, c'est un pot de confiture grand-maman. Ah, <laughs> oh... non. Ah, oh, oh, mais ça marche. Parce que de jam. Ben oui, je gag? sais, je sais. Jam, ça veut bon dire... Bon, d'abord, oui. Tu vas nous expliquer le gag. Ben. Merci, ma chérie. C'est oh. gentil. OK. J'aimerais terminer avec une, un dernier un de L'ultime. Une dernière joute. Vous savez que malheureusement, un des Rolling Stones nous a quittés récemment. Le batard. Le batard qui s'appelait Charlie Watts. Alors, Guillaume chante Satisfaction des Rolling Stones. Ouais. Mais Et le... quel objet on voit? Mais là, ça se peut pas que ça soit pas des... des... Ben là, là c'est un masturbateur. Baguettes, des baguettes. De... Là, c'est un masturbateur. <laughs> OK. Nico. Euh, ouais, ben c'est ça, que je m'en ai à dire. En fait, c'est un autre masturbateur. <rire> <rire> là, il l'a fait. Là, il l'a fait. C'est un autobus à deux étages. Ah, ben c'est un anglais. C'est un anglais. Il en anglais. Alors, Pourquoi voilà. il n'y pas mis des baguettes? Ben, Peut-être que ça ne va pas dans la douche. Oui, mais ben, ça va briser. Ouais. Oui, parce que tous les objets sont mouillés, là à la fin. Ouais hein, ouais, mais tu sais <laughs> mais comme il y a beaucoup de barbie là aussi, on utilise des fois des barbie oui, des Playmobil, oui, les affaires, oui, oui. puis les des jouets d'enfants. Mais, mais ah, il y je... en a un enfant jeune, c'est ce pas là. Oui. Mais oh bien, elle... mon dieu. OK, non, attends. Vas-y, autre... vas-y, oui. Oh my god. Un an, euh, euh, la peux... chanson c'est une chanson en français donc euh, Ah ça je la connais. Tu vas la connaître. <laughs> c'est quand on se donne à une femme, femme d'expérience de Francis Martin. Ah, c'est pas une photo AKA de... James Kayfield, A.K.I. Kaya, parce que cet homme a changé de nom euh, au quoi? fil du temps. Qu'est-ce qu'il qu filme euh, photo, quand genre on se donne à une femme d'expérience? À mon avis, un dentier. Ah, c'est bon. C'est une vraiment bonne idée. Moi, je pense c'est une photo de France Castel. Ah, okay. brillant! Ouais. Ok Nico? Un tournevis. <laughs> c'est pas fou, parce que d'un coup... La réponse, c'est un 20 où on voit la reine. Ah, ben, c'est <laughs> pas si loin que France-Castel. C'est pas si loin. Ah, je suis quand même contente. <laughs> c'est vrai que le poignet pourrait te revenir. Ah, oh, la oh. grande gangarde! vous Rosalie. Oh. Et les grands perdants, tous nos auditeurs. <rire> <rire> Mais pour vrai, moi, je, moi, je, moi, je suis aussi sympathique. C'est amusant, ça, c'est sûr. J Mais, j en fait, on rit, c'est ça le but de la patate. Oui, j'admire Guilla dans tout ce qu'il fait. Et j'admire que un truc, il faut que je... J'essaie d'imiter de lui. Là. Il fait ce qui lui plaît. ouais vraiment. Puis il fait mal à personne. C'est ben, extraordinaire. T'as raison. Exemple, moi, c'est l'inverse. Ça... Je fais pas ce qui me plaît, puis je fais mal aux autres. T'as même me le bad. podcast. Ah, tu fais mal, mal aux autres? Tout, tout le temps. Tout le temps en train de me battre avec Nico. Ah, oh, celle-là. Ah, oh, tu niaises. Oui, oui, j'ai Je suis en train de me battre. Je me batte par moi là la twist, man. Moi, je voulais parler aussi avec toi justement de ta comédie musicale. Ah, l'avez-vous regardé Oui. Ah, ouais! Pas au complet, les malheureusement. Oh. Désolée. Mais <laughs> je veux juste être honnête. Je n'ai pas écouté Qu'est-ce que complet. vous avez écouté comme épisode? J'ai écouté, ben, les, je uh, pense, les trois premiers, là, uh, quand ben tu arrives en ville. Parce que là, ça devient trash après. C'est ce qu'on m'a dit, en fait. C'est ça. Parce ouais. que là, tu fais face à des producteurs véreux. Ouais. Dans ouais. Le ça, j'ai vu ça. ça oh, on n'a pas vu la tout... même partie. C'est que Moi, j'ai vu les producteurs véreux. Non, non, il okay. est producteur véreux, mais après ça, il me fait faire des talk shows et des choses que mm -hmm. ça ne tente pas de faire. Ouais. Puis là, là, c'est comme exactement notre vie mais dans le fond c'est ça devient un peu une critique de qu'est-ce que tu fais dans, non tu sais c'est un clin d'œil ou... c'est un clin d'œil ouais. tu sais puis il y a plein de choses qui est comme qui se passe dans nos vies puis que ça ressemble mais en général c'était comme c'est classique là la fille qui veut devenir showbiz puis qu'elle se fait enrôler puis que c'est genre ça ça devient un atroce puis qu'elle se rend compte que c'est pas ça les vraies valeurs c'est comme c'est juste classique tu sais mm -hmm. ça aurait pu être une comédie musicale classique aussi de genre la fille qui arrive en ville puis euh, ben, en fait c'est tout à, <laughs> à la même affaire elle veut devenir connue <laughs> ou ouais, tombe en amour et ouais c'est ça mais non je voulais que ça soit on voulait que ça soit classique puis moi quand je l'avais monté il y a carrément quatre ans et demi ou cinq ans aux zoufesses c'était exactement cette histoire là ok que on l'a juste pas changé là. ok ça, tu l'avais fait sur scène aux zoufesses mm -hmm. puis là tu l'as transposée. Ouais. Okay. on l'a fait pour que ça Fait il y, y a quand même il euh, y a peut-être deux chansons qu'on a changées, mais sinon c'est toutes les mêmes euh... Les mêmes arrangements, puis tout ça. Okay. J'ai même, même pas changé les acteurs. J'ai pris encore Pierre-Yves pour jouer euh, mon chum. Mais Pierre-Yves jouait aussi le producteur. Ben, J'avais pas tant de budget que ça. <rire> <rire> mais il était vraiment bon dans le producteur. Mais là, on a dû prendre quelqu'un d'autre. Okay. Pierre-François Lejean est vraiment drôle aussi dedans. Là. Il est dégueulasse. Puis, ouais, plus que ça avance, plus que ça devient trash. C'est comme quasiment des fois triste. Ben, c'est un peu ça. De, de, de là, le, le côté un peu critique de, de, mm -hmm. de ce parcours. Euh, ouais, de, ben, c'est ça. Il y, a comme un, ce il y a même un personnage qui est, est eric Salvaille. OK. Yeah. Ouais, à quatrième épisode. Puis après ça, c'est vraiment la déchéance. Là. Puis elle se rend compte que les gens s'en foutent vraiment. Puis le il donne des contre genre, pour de l'essence. Quelque chose qui m'est déjà arrivé. Okay. De faire un contrat pour euh, de l'essence. Okay. Mais moi, j'avais pas de char dans ce temps-là. Mais genre, une carte? cadeau SO, genre, ou non, vraiment une teinte? Non, je faisais, je faisais une pub okay. pour des, une place d'essence. Okay. ouais elle fait une pub d'essence. C'est SO, c'est ça? Je veux pas dire c'est quoi, okay. mais okay. j'avais fait des pubs d'essence, puis moi, j'avais compris. J'avais pas compris ça parce que j'avais pas... J'ai jamais eu de char avant, okay. il y a comme deux ans. Fait que j'avais compris que je faisais une pub pour un dépanneur. Ah! Oh. Ouais. Wow! Je, je pensais comprends. que c'était une place qui vendait de la slutch. mais non, je faisais ça pour, <laughs> comme une, une multinationale d'essence. Ben, oui. <laughs> ben, ben oui, mais sais comme pour vrai, j'ai jamais eu d'auto. Mais dans ma tête, moi, on me dit, ouais. mettons, et eh, je, je, je peux dire... C'était les... non? Ok, mais mettons, c'est pas SO. C'est pas SO. Fait que mettons, ils m'ont dit, c'est pour SO, mais moi, c'est la place que je vais me chercher de la slot, depuis que je suis petite. Fait que tu n'as pas le lien, que c'est à la base, en fait, une citation. service SO, je comprends. J'ai jamais eu d'auto, le j'avais jamais eu d'affaire Puis c'était pas, tu sais, c'était pas... C'était pas, j'ai jamais eu de tricot, mais chez Fender, c'est pas une C'est Pas tout le monde, c'est ça, mettons. Non, pas tout le monde. Ok. Pas tout le monde. Non, je. <laughs> <laughs> mais là, tellement sentie épaisse. Puis, tu sais, ma soeur était genre en train de se faire accrocher sur des arbres pour Port-Daniel, pour pas qu'il y ait de. Ah, ouais. Tu sais, tu sais, comme, je me sentais tellement stupide. J'aurais je... pu refuser, non? Il était trop tard. Il était trop tard. Je, je l'ai su. Euh, c'était quasiment la journée du tournage, là. J'ai, okay. comme, à catcher. Parce que même dans les sketchs, tout ça, il y avait pas. Euh... Ouais, c'était pas axé sur. Non, c'était je... pas. Les sketchs étaient full drôle. Tu sais, comme, au final, la. la, la... La boîte de prod, la, 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 la pub était bonne, puis tout ça, mais c'est juste genre, je veux pas faire ça dans la vie. C'est comme si je faisais une annonce de McDo, puis je pensais que c'était pour Burger King. Ouais. <laughs> mais, non, non, c'est la même chose, mais c'est comme, tu sais, j'avais ouais, pas ouais. catché, puis ça, ça a été vraiment atroce. Puis là, en plus, il fallait que je la mette sur mes réseaux sociaux, vu que c'est dans le contrat. Mm -hmm. Oui, je comprends. Oui, c'était atroce. Fait que j'ai donné la moitié de mon argent, je pense, pour planter des arbres. Ah, oh, mais c'est. Ben non, mais là. Ben, je... ouais, mais là, t'es. OK, ouais. Je comprends. Ouais. <laughs> c'est bien, mais. En même temps, est tu... là, Je comprends. Ouais, mais ça, ça montre à Tu sais, ça, c'est vraiment mon genre, là. Tu sais, de se faire une idée tellement pure, puis tellement vraie de quelque chose, puis là, que t'arrives, puis que tout se détruit en une seconde, là. Mais est-ce que t'avais justement une idée tellement pure de devenir une artiste, puis justement, t'as eu des désillusions, hein? Ben oui, c'est sûr, là. Moi, je pensais que les gens de notre âge n'allaient pas changer avec le fait qu'ils allaient devenir connus. Je pensais que c'était une affaire de vieux puis une affaire de co. Comme tu me disais, mettons ta cohorte de, 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 de jeunes humoristes. Ouais, euh, ouais. ouais. Euh, tu sais, comme les gens avec qui qu'on traîne. Tu sais, juste nous, là, même. Là, tu sais, comme je pense des amis que j'avais avec qui j'ai commencé qui sont vraiment plus les mêmes. Là, que, ou que même moi, je suis devenue comme plus connue, fait qu'ils se sont distancés ou des choses comme ça. Okay. Est-ce que tu considères qu'elle a changé? Non. Pas tout toutes mes amies me disaient, genre, j'ai zéro changé. Je me suis améliorée, en fait, là. Mm -hmm. Parce que j'ai tellement peur de changer que je suis devenue moins une marde. Fait que tu changé? Ben, ben, à peine. Oui, <laughs> mais, mais changer, des fois, c'est extraordinaire. C'est évolué. Non, oui, non, mais j'évolue, j'évolue. C'est ça, j'évolue. Mm. Mais dans le sens que ma personnalité est la même que quand j'avais 8 ans. Mm -hmm. <laughs> c'est bon, ça? C'est bon? Oui. C'est bon, Ah, oui. Non, mais. Ouais, non, peut-être pas 8 ans, là, peut-être genre 10, là, mais. <laughs> mais c'est une bonne question. Non, c'est pas bon, bon c'est pas bon. il <laughs> ouais, faut évoluer, non? Il faut évoluer. Je ne dis pas évoluer, je te dis changer. Ouais, changer. de changer. Changer. Tu sais, comme les choses que tu haïssais il y a 5 ans, maintenant tu es fait puis que tu es vraiment content de les faire. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Moi, je hum. jaillissais pas être sous. Ouais, mais là, ça, c'est un <laughs> problème de... Ça je suis mauvaise fois, je suis mauvaise fois. Je l'admets, je suis mauvaise fois, je mauvaise Mais j'ai quand même été, moi j'ai été surprise de voir que les gens de notre âge pouvaient changer là. Que comme pour vrai ils pouvaient changer puis que ça leur monte à la tête. Mm -hmm. J'étais comme attendez là on est au Québec genre tu vas finir par quand même faire ton, ton épicerie au GA à Boucherville comme les autres là. Genre c'est pas comme si tu sais on n'était pas on n'est pas hyper riche on n'est pas tu sais comme peu importe ce qui arrive. On ne viendra pas des méga internationales. Mm -hmm. On parle en français, puis on s'adresse à un public en français, puis on fait des jokes sur occupation double que personne ne va connaître d'autre que nous. Là. Fait que, mm -hmm. tu sais, comme, pourquoi. Pourquoi ça change autant la personnalité? C'est qu ce que je ne me pas. Qu'est-ce que tu euh, qu que observes comme changement? mais ben, tu sais, des choses comme. Je vois que les gens, ils se têtent, là. Tu sais, comme ils se têtent entre eux, là. Puis je suis comme, tu tout le temps parlé contre cette personne-là. Pourquoi ta tête maintenant? Parce qu'elle va te donner le contrat ou quelque chose. C'est bizarre, là. Mm -hmm. C'est que une, une question de survie. C'est une question de survie. Oui. Mm. Sauf qu'en même temps, quand tu tes contrats puis que tu es fait par toi-même, puis tu, tu fais des choses qui te tentent, tu pas besoin de survivre, là. Tu sais, comme, à quel point il faut que tu sois plus riche. Mmh. Tu comme à quel point il faut que tu ailles ce contrôle là t'sais, quel... Moi, je suis déçue des fois de pas avoir ce contrôle là mais je me dis, ben, il fallait tu t'aider. Ben, Donc, je ne l'ai pas faite, mais c'est pas grave. Là. Je le ris parce qu'ils vont vraiment vouloir m'avoir à un moment donné. Mmh. Parce qu'ils me trouvent talentueuse et non parce que. Parce que j'ai liké ces six photos en disant je t'adore, euh, tata ta, Puis tu sais, d'essayer d'être Moi, je n'ai pas, pas, pas le temps là, pour me faire des nouveaux amis. C'est un vrai phénomène sans télévision. faut Ce que j'ai observé, là, je peux me tromper. En télévision, le plus important, c'est d'être ami avec les gens qui prennent des décisions. Ouais. C'est extrêmement important. À mon avis, c'est foutrement ridicule. Et ça explique des fois la qualité de la télévision. Parce que c'est pas, à mon humble avis, les meilleurs projets ou les meilleures idées, des fois, qui sont mis de l'avant, c'est. Ah, les mais moi, amis. je l'aime bien, cette personne-là, puis elle est cool avec moi. Puis on va souvent dans les mêmes bars, fait que ça ouais, va est ça. Qu on va pousser. Ce qui n'est pas super. Mais moi, je suis amie avec des gens qui prennent des décisions, des fois, mais c'est parce que c'est vraiment mes amis pour mm -hmm. de vrai. Genre, je les aime pour de vrai, puis genre, on fait des trucs que je prends pas de photos avec eux ou que, genre, on fait des trucs parce que ça me tente pour de vrai, là. pas parce que je suis comme, je suis obligée parce qu'il va sûrement me donner mon émission à radio. Mm -hmm. c'est pas ça, là. Mm -hmm. Mais au final, j'ai mes amis, ils travaillent en des travailleurs sociaux Ça ça sera pas comme ça je vais me faire des contrats puis ça c'est ça me surprend genre des gens de mon âge tu sais de, de comme de téter mm -hmm. puis les, les il était amis. pas là oui puis mm -hmm. il faisait pas comme quand, quand... Ben, dès l'école de l'humour, oui, ça commence ouais dès l'école de mot mais tu sais juste de comme dire euh, tu sais parle pas contre radio FM si ton rêve finalement c'est de le faire mm -hmm. tu sais parle pas contre rouge FM si finalement ton plus grand rêve c'est d'être fantastique je suis comme tu sais moi, j'aimerais ça des fantastiques, mais j'ai jamais dit, mmm, j'aimerais pas ça, je trouve c'est vraiment loser, non, non, non. Tu comprends? Mm. Faut quand rester. Et... Ben, moi, c'est un truc que je dis souvent, là, mais je une... vais encore <laughs> sortir mon angle raboteux du jour. Je <laughs> gérer. <Moi, j 'ai rire> les gens, il faut qu'ils walk de top. Pis, ouais, c'est ça. Tu sais, dans le sens de ouais, que, que tes gestes <laughs> Oui, c'est ouais. ça, exact. Mais tu il faut que tes gestes suivent ta la, la parole. Puis souvent, euh, chez certaines personnes, ben, tu, fais, tu bitches tout le temps contre ces affaires-là, mais finalement, t'es bien contente d'être dedans. Ou, ou des, pis, ce qui fait en sorte aussi qu'après ça si tu, 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 tu pointes certaines affaires ou tu ris certaines affaires, c'est comme « Ah, oh, mais c'est parce qu'au fond, tu veux ça. » Non. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ouais. ça. Il y a des personnes qui pensent vraiment que, mettons, ça, c'est mauvais puis ça, c'est intéressant. Mais puis... tu dis ça, mais... Excuse-moi de t'exposer comme ça, là. Mais nous, notre rêve, c'est de faire la première partie de Peter McLeod. <laughs> <laughs> fait que je sais pas pourquoi. On est l'exemple. On n'avait pas de rire de Peter, parce qu'on veut être Peter. Je sais. Ouais. Et aussi, on veut faire l'amour avec cet homme-là. Un petit tour d'avion. Dans son <laughs> avion. Oui, on veut faire un petit tour d'avion. Oh. Il y a un avion. Oui. Oui, il y avait même, même. pris... On l'approche a... à, à tout le monde. Ouais. On a... <laughs> Pourquoi on l'aime? C'est un truc que j'ai passé aujourd'hui. <laughs> on insiste tellement plus sur les gens qu'on haït que sur les gens qu'on aime. Hein ah, je... je sais pas. Moi, j'adore Val mais Maintenant, j'ai plein d'affaires sur lui. <laughs> J'ai écouté son docu. <laughs> mais t'as c'est pas toi que ça, Peter McCloud. Non, Peter, Peter McCloud, si j'ai acheté son livre, oui, je l'ai oui, lu. C'est ça. On a tellement plus investi oui, MacLeod, dans ça ce qu'on Mais il ma y le matériel pour le podcast. C'est pas vrai? Mmh. Si, si tu le tues... Mais là, je l'ai feuilleté. Là. Oh, oui, c'est un grand. On, 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 on lit au podcast. C'est un grand œuvre. Okay, c'est une le... grande œuvre. Moi, j'ai une anecdote de Peter McCloud. Ben, on t'écoute. Oh, yeah. Vous allez tellement être déçus parce que c'est pas avec le vrai, Peter McCloud. Oh. oh, wow. Oh. Je t'écoute. Ok, à part au Percy. À chaque année, moi, j'arrête, OK? C'est avant Tadoussac sac j'arrête là. Parce que quand tu vas dans le port, OK? Qui, qui est comme. Est, pour vrai, il y a, je pense, 40 habitants dans cette ville-là, OK? okay. Si, il y a, il y a une, une grosse affaire qui explique d'où vient la ville, puis tout ça. Il disait, il se dit sur la pancarte, notre ancêtre, Peter McLeod. c'est genre un Écossais qui est arrivé, là, puis qui, <laughs> qui s'appelait Peter McLeod, mais à chaque fois, je vais voir puis je suis tellement crampée, puis je ris, là, pendant un bon cinq minutes. Là, <laughs> parce qu'il y a une photo de lui, là, de Peter McLeod, puis les gens toutes de cette ville-là viennent de cet homme-là qui s'appelle <laughs> Peter <Pizza rire> <laughs> McClan. C'est tout des descendants de Peter McClan l'Écossais ?»« Waouh <laughs> À chaque fois là, j'ai je... je... hey, mon dieu, j'ai amené mon chum, puis j'étais comme attends, faut que je demande de copier comme c'est vraiment pas sur notre route, puis je suis comme non 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 non. <laughs> <laughs> on fait un détour pour Donne ça. Donne-moi GPS fait... Cet homme t'aime. Cet homme t'aime beaucoup. <laughs> ouais, ben <laughs> on fait un détour pour voir, tellement oh. drôle. À chaque fois je vais le voir. Il ben, y a quelqu'un aussi qui a pris en photo l'autre jour la place Peter McLeod ou le parc Peter McLeod. En tout cas, un Écossais important, d'après moi, il a fait. Ben, euh, ben un, un Écossais important, c'est-à-dire Peter McLeod. Le gars qui a fait qu le que... live à Laval. Ben, live à Laval, ça, c'est. Un gros show. <laughs> c'est ça. Il est parti d'Écosse, il est passé par Tadoussac. Il a fait le live à Laval. Il est passé jusqu'à Laval, mm -hmm. puis il a fait le live. Voilà. <laughs> c'est sûr que son humour est tout ça arriéré, c'est que c'est un vieux colon du 19e siècle. <laughs> OK. Bon. <laughs> on a Peter. On, on a la série de Peter. Oui, on a essayé de Peter, ouais. est-ce que vous voulez qu'on lise une date, ben, un je veux ça, moi, let's go. Est-ce que tu veux offrir le quoi? cadeau à notre invité? Es tu es dans la bonne pièce? C'est moi qui l'ai. Oh, c'est yeah. quoi? Qu'est-ce que vous avez? D'abord, vas-y, C'est le segment des dates qui est commandité par Eros et compagnie parce qu'au lieu oh, d'aller à des dates minables, masturbe-toi à la maison. Ah, oh, c'est plat, oh. ça. Tu masturber, c'est extraordinaire. T'aimes pas ça? <laughs> T'aimes pas te masturber? <laughs> Je trouve ce plate. Tu rencontres un humain ou tu te masturbes. Je préfère <laughs> me <mes> mas <laughs> ben, ce masturber. C'est extraordinaire. Oh, C'est plat. J'aime pas beaucoup votre concept. <laughs> All right. <laughs> euh... T'aimes mieux faire l'amour oui. que te masturber. Oui. Je comprends ça. Les deux comp... en même temps, c'est mieux. Les deux ben, en même temps, c'est bon. Ouais. Y'a bien ça. Héros et compagnie un cadeau pour toi. Ouais. Je pense qu'elle veut pas, pas de cadeau. Je veux pas l'avoir. <laughs> Et ah euh, je vais le prends! Je vais le prends! Le code promo, que... c'est couple 15. Couple 15, t'as 15 T'as 15 Oui. OK. Eros. 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 C'est comme tu veux. Allez, on, Eros m'envoie quelque chose. On tellement bien les choses. Oh my god. On sait même pas c'est quoi. Oh, une petite carte! Salut, Rosalie. Salut. L'équipe de Eros te souhaite une belle grossesse. En plus de te procurer du plaisir. C'est boule! Ah! De qui Attends, je vais devenir tout rouge. Ça me rend tellement mal à l'aise. Ah, T'aimes pas ça? Non? Ok. Les boules de Kegel te permettront de renforcer ton plancher pelvien, prévenir tes pertes du vaginal. Mais non! <laughs> Développez ton plancher! <point> <laughs> Attends, tu vraiment mal à l'aise? Est-ce que vous voyez ma face que c'est rouge? Ah, Est-ce que tu as toujours été mal à l'aise par rapport à la sexualité? <laughs> oui, toujours. Non, mais c'est vrai. Comment ça? ça, ben, ça c'est un de mes sujets dans mon show. Là, en okay. plus, là, plus, ta soeur est sexuelle. Je vais juste montrer les boules pour que vous fassiez votre pub. Là. Mais <laughs> wow. pas obligé de les mais prendre c'est pas obligé de les sûr, prendre je, je, Nico sûr, il aime ça c'est sûr que je les prends là, ça vaut 59$ <laughs> hey, c'est sûr que je les prends mais je, je sais pas la sexualité on s'en était déjà parlé je pense en même temps là, que la sexualité j'étais pas hyper hyper à l'aise mais, mais j'adore okay. en parler ouais mais euh, je sais pas je sais pas pour, ben, le fait que mes parents ils, ils étaient mal à l'aise ok fait que est comme un... mais tu l'abordes beaucoup dans ton art c'est une façon mm -hmm. de te réapproprier bah ben oui ouais. vraiment là, ça mais tu sais je le fais jamais d'un côté genre sexuel tu sais je vais jamais genre être comme non 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 ça va tu sais que... comme genre... oui mais, oh, oui, mais ça, c est... C est... ça on a déjà parlé mais ça me fascine parce que mais parce que toi tu trouves ça excitant mais je te le jure les gens sur les commentaires étaient toutes comme voir qu'elle se pense belle demain puis qu'elle pense que c'est excitant oui mais il <laughs> y a bien les, les... les... c'est rare les gens qui commentent je suis excitée il Pis... y en a c'est sûr ouais ouais c'est sûr. sûr. mais en même temps, mon art est pas genre fait pour exciter. Non, non. Il est non. fait pour faire rire. Ben oui. Ouais, il est fait pour faire rire. Ouais. Mais moi, ça me mettrait vraiment mal à l'aise de voir que j'excite les gens, tu sais. pour ça que je passe vite ces sujets, tu sais. Mm -hmm. <laughs> je comprends. Je comprends. Ah Mais ouais. non, mais vraiment, là. Tu sais, mettons quand vous avez commencé. Oh mon Dieu, j'en ai tellement de choses à dire avec la, la sexualité que je peux pas parler, là. <laughs> cool, tu sais, quand vous avez commencé à parler, là, tantôt, là, de sexualité, là. Ouais. Euh, je sais pas, à un moment donné, vous avez parlé de que vous faisiez des affaires. oh qui te donnait la tête pour que tu la regardes. Ouais, ah oui, ouais. je t'aime même. Là. Pourquoi t'aimes même? Parce que je vous imaginais trop, là. J'étais comme, c'est tellement graphique, je sais comment il y a pour ouais. elle. Pauvre, pauvre Steph! <laughs> Steph était là, puis lui est là. Okay. <laughs> pauvre Steph! Je veux la... Mais pauvre, t'attailles pas ça, je pense? Non, Sister! T'attailles <laughs> <laughs> pas ça? Tout va bien, tout va bien. Ah non, ne sais pas, ça me met tellement mal. Euh, qu'est-ce que. Ah oui, mais surtout avec la sexualité des autres filles. Genre, je sais pas. pas je sais pas si parce que j'ai comme été trop grandi dans un, un univers hétérosexuel, mais comme mes amis me parlent de sexualité, genre. Comme l'autre jour, mon amie, elle m'a dit « Ah, oh, j'étais mouillée quand je lisais Grey Anatomy. Mm » -hmm. OK, c'est pas Grey Anatomy. C'est un autre affaire en anglais que je suis pas capable de prononcer. Fifty Shades of Grey. Ouais, okay. mm -hmm. <laughs> Grey Anatomy, j'étais full bandée. Là. <laughs> tu sais ça, tu, tu vois? J'ai dit bandé à la place de dire mouillée parce que je suis pas capable. Ça m'écœure tellement. Là, okay. Parce que... Si ça m'écoeure puis mon ami est comme il faut vraiment que tu gères ça là c'est pas normal là en plus c'est full féministe c'est supposé être comme à l'aise avec la sexualité féminine être contente pour nous qu'on ait du plaisir puis je suis comme non 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 je, je suis contente pour vous mais je veux juste pas savoir que vous êtes mouillée. – toi est-ce que par contre mais je peux comprendre aussi comme je, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire je suis contente pour toi est-ce que je veux des détails et tout peut-être pas nécessairement sur mettons tes amis tout ça ça je peux comprendre entièrement mm -hmm. tu sais mais après ça est-ce que ça devient vraiment comme un, un blocage que tu c'est quelque chose que tu as de la difficulté. Là, c'est peut-être autre chose. Ben, la bonne sais. nouvelle, c'est que tu coucher avec des gars. Fait que tu pas besoin d'être intéressé à la sexualité des femmes. Ouais. Une chance, c'est que j'ai pas de blocage avec les deux, là. mhm mm Mais ça a mes comme euh, Des fois, là, mon chum, là, il dit Ah, oh, je suis un peu mouillé. Puis je suis comme Ah, euh! oh, attends, wow! Même quand il parle de toi, ça te non, moi je, moi, je dirais jamais que je suis mouillée, je dis que je suis bandée. Ou, OK, mais dis, quand... à place de dire on voit-tu mes fesses, je dis, on voit-tu mes couilles. Genre, tu sais, comme, je sais pas. Je suis okay. même pas capable de m'approprier mon propre corps. C'est bizarre, hein. Wow! Puis, okay. wow! Mais parce que aussi, ça, ça fait plus drôle. Oui, mais quand tu veux. quand oui, c'est pas, pas comme tendré, un, là. Ben, le rire, là. Ah oui, oui, c'est tout le temps le rire. Tout le temps, tout le temps le moment. Ouais? Ouais. OK. Ben, au moins, tu te l'appropries d'une façon qui t'appartient. Ben oui, c'est ta sexualité. Tu ce que tu veux avec. Ouais. Mais euh, j'étais invitée à faire un podcast sur le sexe, puis ma gérante était comme, T'es sûre que tu veux y aller? Je suis comme, Ben oui, ça va m'aider. Puis après ça, j'étais comme, Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Là, qu vont... dès qu'ils vont comme montrer des jouets, je vais genre être comme, Oh, oh my God! T'en as-tu as des jouets? J'en ai plein, je suis oh. pas mal à l'aise avec ça, là, car c'est à moi. Mais tu sais, moi, les filles avec leurs jouets sexuels qui font comme, hum, Je suis comme, Ah! Pourquoi tu montes montres? C'est différent, ça. ça ben, J'avoue que moi non plus, je serais pas intéressée à voir ça. Ben oui, ça, c'est très différent. Ah ouais? Oui. Ok, vous aussi, parce que moi, j'ai tout le temps fait comme, ah, oh, c'est pas féministe de pas aimer les filles qui montrent leurs jouets? Non. Ben, moi, j'ai pas de cette. Ben, je, je sais pas. Là, moi, je me dis jamais, c'est pas féministe, si, c'est féministe, ça, là, Mais euh, on apprécie ce qu'on a. Non, apprécie. mais dans le sens que, euh, euh, je, elle peut vraiment faire ça. Moi, ce que j'ai envie de consulter ces photos-là et d'y accéder? Ouais. Pour pas tant. Oui. Tu sais, c'est bien correct. Mais ça me ferait la même chose avec un gars, par exemple. Tu sais, je serais encore plus écœuré. Non, un gars qui monte sa flashlight, c'est pas la Ah, je serais vraiment déçue. Non, non, c'est ça. Non, c'est bien correct. Tu t'approches de la sexualité comme ça tente, si c'est de façon plus humoristique et tout ça. En gros, que ce soit pas comme. Moi, c'est vraiment façon humoristique que je l'approche. Sinon, je trouve que c'est trop de pression. Ah, waouh, ça m'intéresse. Pourquoi? Ben, c'est trop de pression. Il faut que tu sois comme. Tu sais, juste. Calme, faut que tu sois sensuel. Moi, j'ai le goût de niaiser, j'ai le goût qu'on niaise, j'ai le goût que ça soit le fun. C'est curieux parce que moi, j'ai toujours vu la sexualité comme un moment où il n'y a aucune pression. C'est ce que j'aime, c'est un moment de détente, c'est un moment où le but c'est juste d'être en contact avec l'autre, toucher l'autre. Mm -hmm. Je fais jamais de joke quand, quand on fait l'amour parce que c'est mon métier. Ça, ça, je suis content de juste relaxer, me laisser aller, je suis bien avec toi. J'ai je vis pas cette, cette pression là. Non qu Qu'est-ce Ah qu est -ce que... ben... <laughs> non, Ah mais là, OK ouais. Okay. Je suis bien avec toi. Mais <laughs> ben, je suis bien ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> ben là, est-ce que t'es prête à ce qu'on lise une histoire de date Parce Ouais. Parce là, ben oui, qui oui, c'est ça qui est pas ça peut -être qu être à, à l'aise. Hein. Oui, puis c'est très graphique, puis c'est souvent des femmes qui nous écrivent. Ben là, <laughs> ah, c'est un gars. Oh, là, c'est ah, un gars. Moi, je tellement pas assez si tu, tu avec moi Non. Je pense pas. Ah OK, OK. Ah tu penses que c'est avec Je le monde ils ont juste on va juste écouter l'extrait avec Catherine pour penser qu'à chaque fois, non. on a quelqu'un d'anonyme qui a une date avec la personne est qui Catherine Levac. Catherine Levac. Ta grande amie. Catherine Levac, c'est quelqu'un qui c est, c est, que quelqu nous a écrit une date, mais elle avait daté David Bocage. Ouais. Puis là, on oh, a lu ça chien? avec Catherine. C'est pas chien, c'est le fun. Non, c'est juste comique. Mes... Ah oh ouais, c'est oui. comique? Oh, c'est pas chien, pas. Ça. Ok. On a vu ça avec un de mes ex. Non, non, c'est celle C'est juste une personne. C'est un gars random. C'est anonyme. Ouais. 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 C'est un gars. Es -tu, es -tu prête? oui il va parler une f... <laughs> une vraie affaire. il va parler d'une femme sans doute ah c'est -ce un... une bonne question ça est-ce que t'es à l'aise quand les hommes te parlent de la sexualité que d'autres hommes <laughs> ça c'est une manière non non plus ok non mais attends ça m'est déjà arrivé que comme j'aille chez moi. mais moi je suis tellement naïve aussi avec la sexualité homosexuelle parce que je... tu sais comme on n'en a pas parlé j'étais allée chez mes amis puis il y avait du chocolat mais c'est pas du chocolat finalement puis je grattais ça puis j'étais comme hey t'as du chocolat près ton lit mon ami puis t'es comme ah j'ai couché avec un gars j'étais comme Puis, vous avez mangé du chocolat dans le lit non c'était pas ça non mais on n'est pas mis beaucoup dans ma bouche mais mais, comme... mais, mais... waouh mais il me trouvait vraiment épicé c'est drôle t'as mangé mangé des excréments d'un homme que tu ne connais pas. Mais non, mais je n'en ai pas vraiment mangé. J'ai juste mis en dessous de mes ongles. Ah, ben dans ce cas, excuse-moi. Je retire tout ce que j'ai dit. Ah, ben oui. Tu avais 21 ans. Ah, ben oui. 21, ben oui. Dans ce cas-ci. Oh, my God. OK. OK. Je vais lire la date. Non. C'est tout. un moment extraordinaire, ça. J'aimerais ça pour prendre juste une seconde pour la minute de silence. Oui. Pour la croûte de caca. Merci tout le monde. long. long. Mon histoire se passe lorsque, lorsque j'étudiais au Cégep de Sherbrooke, je devais avoir environ 20 ans. Je venais tout juste de déménager pour les études et je ne connaissais pas beaucoup la ville. Par chance, mon grand-père paternel habite en Estrie et ça m'a oh, permis watch. de reprendre contact. C'est quoi avec son grand-père Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. <laughs> OK ça. <laughs> okay. Ça. <laughs> OK OK. Je pense, okay. Pas, <laughs> okay, okay, je pense <laughs> pas. Mais je sais pas le vôtre. Non. Ah, si ouais, boire, on sait pas c'est quoi. Go. Ah mais peut-être c'est plate. Genre pour un peu de contexte, mon grand-père est un sexagénaire très en forme avec un sens de l'humour parfait. Il s'implique beaucoup non. auprès des personnes âgées, seules et à faible revenu en faisant du bénévolat. À ce oh, moment, mon Dieu, je il vient tout faisant. juste de rencontrer une femme de son âge. Oh, et ils ont l'air de deux jeunes amoureux adorables. Un soir, il m'invite <laughs> à un souper bénéfice pour les nouveaux arrivants de l'âge d'or. C'est un genre de petit événement où les immigrants où les immigrants plus âgés nouvellement arrivés ah, en ville ça. viennent partager un peu de leur culture en préparant des repas typiques de leur mais pays bien, en forme potluck. Très cool. Il invite aussi sa nouvelle blonde qui elle invite sa fille. Sa fille est une magnifique femme de 45 ans enseignante au secondaire ah, qui dégage le sexe là, à l'infini. Ah lui il est étudiant là. Lui il a 20 ans. Ouais, ça c'est bon. 20, ça ça c'est bon. Oh, La soirée non. se passe. Pourquoi bien. non, pourquoi non? J'aime pas ça aussi, les. Les différences d'âge. Les, <laughs> les différences d'âge, ça me gosse. Ah, oh, oh, t'as jamais eu ça? <laughs> t'as toujours avec des hommes de ton âge? Un peu plus jeune ou un petit peu plus vieux, mais. Jamais beaucoup. Non, parce qu'à ch chaque fois qu'ils s'intéressent à moi, je suis comme, qu'est-ce que t'es immature? Qu'est-ce que t'es complètement fêlé, là? Comme, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, à 21 ans, à un gars de 32? Qui, genre, qui. qui ben, j'ai qui... déjà gratté des excréments, puis les mis dans ma bouche. Ouais. Peux... <laughs> non, mais, je trouve que c'est vraiment fucked up. Je pas pas vrai. ouais. fucked up. Je trouve que le gars a l'air d'un gros loser. Alright, ok, ça va les choses. Bientôt, tu penses pas « Ah, oh, mais t'étais en couple, mais l'inverse, ça t'intéresserait pas? » Ouais. <laughs> ok, génial. L'inverse, c'est. Non, mais attends, attends, Ça dépend quel âge que j'ai. Si j'ai genre 65, puis le gars a comme 45. C'est correct. Que, en même temps, je me dis « Ça va être pour mon argent, ça va pas être pour moi. » genre On l'ignore. On sait pas. Ça, pas. ça dépend. Ouais. Ça dépend. Alright, continue. Mais tu sais, oui. après un certain temps, c'est moins pire, là. Mais tu sais, comme entre, entre en bas de 40, là. OK. Right. Mais pour les personnes plus âgées, c'est correct. Oui, parce que c'est plus difficile de trouver quelqu'un. OK. OK. Puis, t'as as fait tes choses de vie, tu sais. T'as eu des enfants, tu sais, comme un gars de 30 fait que le, ans. Ouais, ça, okay. Tu comprends, comprends tu comprends. comprends. La soirée se passe bien. Je me torche copieusement dans le vin gratuit, <laughs> puis je mange de la paella comme si ma vie en dépendait. Bien. je remarque que la fille de la blonde à mon grand-père me fixe depuis un bout. 45 Sur la brosse, le oh. petit cégepien de 20 ans se lance et va s'asseoir à côté d'elle. Ah, il est bien game. On jase un peu, puis la soirée se transforme en dance floor de l'âge d'or. C'est ultra sweet. On danse, puis elle me dit à l'oreille, « soir, sweet. tu rentres pas chez vous, tu viens chez ma tante. » Oh! Le gars qui a une mère morte est très excité. <laughs> okay. Là, tu parles de toi? Oui. Ou oui, juste je que... Que... oui. Juste au cas où, pour les gens qui savent pas. Mais ça, c'est extrêmement excitant. All right. J'embarque ouais. chez ma oh, oh, ouais. mon Dieu, un cauchemar. <laughs> T'imagines que tu te fais dire tu viens chez mon oncle à soir? <laughs> ma... J'avoue que moi, je, ouais, ça me parle moins comme phrase. Là. Mais vous avez pas les mêmes troubles que moi. <laughs> non, mais ça, c'est par... sûr. <laughs> ma... je, pense <laughs> que... les... je pense que ça m'écarterait moins qu'une fille me dise tu viens chez ma tante. Non, mais c'est parce que Monon qui a vraiment le Monon cochon qui est sous-entendu. Ouais. Mais la l'amateur des cochons. Oui, mais tu sais, madame qui est l'amateur. Je de... oh, comprends même en tout cas. Euh, non. Bon, OK, j'embarque dans son char, oh, puis on non. roule pendant une éternité dans un coin de la ville que oh, je ne connais pas. Bon, on va se le dire. Peut-être que la ride vers chez elle n'a pas été super longue, mais tout semble être une éternité tant qu'il faut que tu contractes volontairement ton sphincter de toutes tes forces pour oh, éviter de chier, chier de l'eau sur un oh, siège. Ah, parce que j'ai mangé de la paella. <laughs> Oh non. Une fois arrivée chez elle, je demande la salle de bain. Je suis impressionnée. C'est la première fois que je suis chez une fille qui n'a pas au moins trois colocs. <laughs> ça, c'est bon. Tout est propre, bien rangé et ça sent le citron. Waouh, ça doit être ça, je être placé dans vie. Je me <laughs> sens mal pour ce que je m'apprête à faire à sa toilette. Je suis une personne qui a le caca excessivement gêné en général. Non. Mais là, il n'y a rien à faire. Là, cette petite paille-là m'a donné la tourista. Je m'installe puis avant même que mon cul touche au bol, le barrage s'écroule. Dans le top 3 des choses les plus bruyantes que j'ai jamais entendues, il y a un coup de fusil, Thomas Levaque puis la diarrhée que j'ai eu ce soir-là. Mais voyons donc. <laughs> <laughs> Quelle triade C'est quoi, c'est oh. un numéro pour le bordel là, On une... dirait. Chez elle, ça ne sent. Non, ceux plus... Qui nous, euh, ceux que, je veux le mentionner, ceux qui nous écrivent prennent beaucoup de temps, ils sont très talentueux. C'est des gens de lettres. Ouais. Mais y a-t-il des fautes là Non. Oh ouais, il écrit très bien. Chez elle, ça ne sent plus le citron Puis j'ai sûrement réveillé ses anciens coups <laughs> Je sors de la salle de bain tout gênée Elle m'attend au salon avec un verre de vin Elle fait comme si rien n'était arrivé Mais je sais que ce qui s'est passé dans sa salle de bain C'est un secret pour personne Elle m'invite dans son sous-sol Elle me dit qu'elle a une surprise pour moi On descend dans le noir, elle ramasse oh. une petite télécommande Et elle paye sur le oh. bouton, je vous niaise pas Il y a de la musique qui part <laughs> un kit d'éclairage avec un stroboscope qui s'allume et je réalise qu'on est devant un poteau de Paul dancing <laughs> Attends, on <laughs> Ok mais ça se oui oh, oui oui tout, oui, tout ça peut Elle me peur. pousse sur une chaise puis elle commence à danser tranquillement. Elle me raconte qu'elle est adepte du pole fitness. Et comme que toi, <laughs> c'est toi dangeur hein? à ce moment-là, on est très avancé en alcoolémie puis elle me donne la preuve que la danse acrobatique sur poteau et l'alcool ça fait pas un bon oh. mélange. Elle se casse la gueule. Attends tu pas juste un peu le genre elle se casse la gueule elle tombe comme une brique mid pirouette direct sa tête. Wow. Je suis déjà prêt à appeler une ambulance, mais elle se relève comme si elle ne venait pas juste de plier sur le mauvais sens en amortissant sa chute avec sa face. Elle continue son show. Non. Puis elle commence... The show must go on, mon amour. Elle commence à enlever du linge. On baise. D'habitude, j'aime quand même ça baiser, sauf que là la touriste revient. Oh. <laughs> C'est chum. Je suis des grosses <laughs> gouttes, puis toute mon énergie est concentrée à me serrer les fesses. Je dois m'exécuter une deuxième fois à la salle de main pour libérer la version intégrale de la paille à du souper. Je sors de la toilette. <laughs> Madame veut un deuxième round. Wanna... Elle me dit qu'elle est incroyablement excitée de se ramener un jeune de 25 ans de moins qu'elle et que les corps musclés sont son plus gros fantasme. J'imagine que c'est le bon côté de fuir ta dépression en allant au gym six fois semaine. Alors là, il c'est un célibataire triste de toute évidence. On en parlait plus tôt. Oui. Tu peux profaner une salle de bain neuve avec ta meilleure imitation des bruits de la guerre du Vietnam et réussir à ne pas turn off ta date. Après la deuxième round, j'appelle un taxi pour rentrer chez moi. Finalement, elle habitait vraiment à l'autre bout de la ville. La ride est longue, puis la paille-là cogne encore à la porte. Je me tords de douleur dans le taxi et je réalise que je n'ai pas d'argent. Ma chérie, c'est toi? Ma, ch voir. ma chérie, c'est <laughs> toi? Parce qu'elle danse, puis elle veut pas qu'elle à qu ma maison. <laughs> le chauffeur me dépose à la caisse la plus proche de chez moi et je dois faire le reste à pied. En montant la côte vers mon appart, je fais confiance à un pet. Il est lourd, c'est pas un pet. Mais voyons, là. <laughs> C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je marche vers chez moi comme un petit pingouin couvert de honte et de paille là Je croise <laughs> une doule visiblement très sur la brosse qui interrompt le pire walk de ma vie. En me pre prenant par les épaules, il me fait signe de ne pas faire de bruit. Il me pointe au milieu de la rue un gros chevreuil en plein cœur du quartier <laughs> okay, résidentiel <laughs> de Lenoxville. Ah, comme, tu commencé à faire un show de striptease? Je... <laughs> C'est très ouais. Il y a le monstre qui danse. <laughs> Je bon. a dans mon jus de cul pendant que lui et moi on vit un moment magique. C'est extraordinaire. c'est ah, ah. ça, ça une soirée c'est pas de bon sens c'est comme s'il y avait huit soirées dans une. Ben, ça arrive des fois il y a peut-être ouais, peut mis ça dans un shaker puis il a pondu. C'est extraordinaire. Et tout le monde a une histoire qui mélange le sexe puis la merde. Tout euh, le euh, monde... non, <laughs> on a, non, non non, l'a pas, non, excuse-moi. <laughs> Nico, Ah oh oui, Nico Nune! a une, mais, <laughs> euh, mais oh oui, Nicolas, Nico, oui, il oui. ben, l'a déjà raconté, mais de plus loin, non, pas vraiment, non. Moi mes pires anecdotes, c'est ça. Mes pires affaires qui me sont arrivées, c'est ça. De sexuelle? Ben oui. Ça implique qu'un un petit wow. diarrhée, ça vite arriver. Non, c'est pire que ça. Moi oh. c'est que j'habitais avec des colocs. Ok. <laughs> Puis euh, ben. Mais ça, je l'ai déjà raconté sûrement. Là. Je, je, je veux pas que les gens ils pensent que je, je raconte tout le temps les mêmes anecdotes, mais j'en ai une, puis est intense. J'en ai deux. Mais il y en a une de vraiment intense. OK. Euh, Miko, c'est ça, je suis en train de faire un peu de sexualité, là, mais je ne veux pas vous dire quoi parce que c'est trop sexuel. Right. Mais il est arrivé dans la chambre. Parce que moi, je laissais débarrer, puis mes collègues sont pas gênés, puis euh, euh, c'était un gay puis une lesbienne, donc je m'en je le sait, là, Fait Puis ils rentraient quand il voulaient. Puis il ils rentrent, puis ils viennent me porter du popcorn pendant que je fais l'amour. Okay. Mm -hmm. Puis moi, j'étais un peu saoule, fait que j'ai fait OK, merci. <laughs> j'étais allée chercher le popcorn, je suis allée me rasseoir. Mais là, on faisait l'amour par terre sous le tapis. Okay. Puis je mangeais mon popcorn en même temps. <laughs> puis la lumière était fermée, tu sais, puis je mangeais mon popcorn, puis à un moment donné, j'ai mangé du caca. De hein? chien, genre J'ai mangé du caca. Trop c'était ma coloc, son chat était rentré dans ma chambre, il avait chié sur mon tapis. Puis moi, j'ai mangé le caca du chat, puis je pensais que c'était du pop -up. Puis j'étais tellement saoule qu'à la place d'aller aux toilettes pour enlever le caca de ma bouche, j'étais allée voir ma coloc, puis j'étais comme « Qu'est-ce que ton chat a fait? Qu'est-ce a dans ma bouche? » Wow! <laughs> Mais ça, tu sais que personne vit ça. Mais je peux pas croire que personne vit ça. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui écoute, puis qui sait. Il sait quest ce que c'est. Honnêtement... Déjà, faire l'amour à terre, vous n'êtes pas beaucoup ben voyons donc ben là franchement parce qu'on voulait pas faire du bruit parce que là on est vieux non mais parce que c'était sur un tapis tapait mais parce que on voulait pas voulait sûrement pas faire de bruit puis je pense que j'avais pété mon lit aussi Ben ouais c'est ça ouais ouais c'est un lit Ikea, là ouais ou genre un lit d'eau là ben là franchement avec des hommes vous êtes tellement kiffes oh dans le sens. Sur ça, ce, c'est la, la fin du basket. Rosalie, tu as été incroyable. Merci. Ah, oh, ben là, merci. merci ça, ça a passé tellement, tellement vite. Désolée de t'avoir mis mal à l'aise avec je le petit. Je vais aller souhait. chercher mes boules, mais je ne peux pas croire. Vous allez m'expliquer comment tu disais ça. Hey, on ne sait pas, nous-mêmes. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui va faire un plaisir de t'expliquer. Te mais merci pour toutes tes confidences. Qu'est-ce qu'on fait pour te suivre? Est-ce que tu prends une pause maternité ou pas? J'en peut... prends pas. OK. Ah là... oh oui, ben, quand il va être sorti. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il va qu être sorti, là... je vais sûrement pas avoir de temps là, pour euh, tout le monde. Là, mais mais d'ici là, on peut me voir en spectacle. on peut me voir spectacle. Je vais continuer mes spectacles jusqu'au mois de décembre. Donc, euh, trois semaines avant d'accoucher, je vais encore faire des spectacles si c'est possible. Mais ça va être possible. Fait venez, mois de 2 décembre, je suis à Québec. <laughs> en même temps que Marjo. En même temps que Marjo! Oh ouais. my god! Ouais. À mais je suis à grosse salle, moi, pas à la salle de Pas dans le petit je pense que j'aimerais mieux être Marjo ce soir-là, mais bon. Et euh, Puis c'est ça, je continue Enfant Roi, puis ça va être mes dernières dates. Là, fait il en reste environ 8 ou 9. Euh, non, il en reste plus comme 15. Fait que allez les voir, ça, ça risque d'être drôle euh, en scène de faire Enfant Roi. Mm -hmm. Puis euh, sinon, ben, je continue à être sur les réseaux sociaux, je vais sortir mes vidéos de vanne, puis je vais faire euh, Plus on est de fous, plus qu'on lit. Ok, cool. <laughs> Très cool. Vous n'avez pas compris ma joke? Plus qu'on est fou, plus qu'on lit. C'est fou le mal dit. Là. Mais, oh. mais c'est pas grave. Non, mais ça se dit pas bah, c'est plus on est fou plus on lit oh, ouais, parce que c'est à Radio 4 mais j'ai de la misère à finir le premier roman fait que d'après moi je vais pas rester longtemps comme chroniqueuse génial <laughs> j'étais comme il y a même pas d'image what the fuck <rires> euh, <rires> sinon mais euh, ben c'est ça là, je vais prendre des congés plus quand il va naître puis là je vais prendre peut-être euh, je sais pas encore combien de temps je prends de congé mais j'ai comme euh, dès novembre je commence à écrire mon deuxième woman roman show cool j'ai <laughs> de la misère à le dire mais je pense qu'il va bien se faire Parfait. Cool. Parfait. Bon, ben super. Donc, rosalievaillancourt.com pour les dates de spectacle. Pour les billets, ouais. Puis sinon, euh, sur Instagram, je suis assez euh, influente. Parfait. Super. <laughs> Merci. Oui. Super influente. <laughs> je vais vous montrer yeah. mes mains d'oreilles. <laughs> <laughs> Merci. <Bonsoir>. Merci. <laughs>